Ja, ظلامة الحوال ظلامة الحوال ظلامة الحوال وبرد الحال أخي ظلامة الحوال وبرد الحال ظلامة الحوال وبرد الحال والدمار والتخمام والهوال والهوال أخي ظلامة الحوال وزينك جبال زينك جبال يا شبخة في الجمال السما يدبال والسما يكحال والسما يكحال والسما يدبال والسما يكحال والسما يدبال والسما يدبال والسما يكحال وانتي الهلال والحب هلال والحب حلال آه والحب حلال خي Thank you.
Magnifique. Monsieur Amazir Kateb, bonsoir à Zoul. Merci d'être là. On va saluer bien sûr tes musiciens qui t'accompagnent. Oui, Mehdi Rayan. Mehdi Rayan. Radar Bouka. Rakt, pakt, pakt, dubé. Et Rabah Hamran. Et ben voilà. Au lutte. Soyez, comme on dit, les bienvenus, bien sûr. Alors ici, c'est vrai qu'on est en direct à la fois sur Berber TV Musique et sur le Facebook de Berber TV. Rejoignez-nous à Berber TV Connect. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors c'est vrai qu'actuellement, tu es en pleine actualité. Mmh. Hein, on te voit sur les routes, on te croise dans les aéroports. C'est, tout va comme tu veux? Ça va, ça bouge un petit peu, c'est normal. C'est un peu le début de la saison. C'est aussi le début d'un projet. Très bon projet. Bah écoute, j'espère que ça va être un beau entre projet. Entre Paris et Cuba, entre Alger et Cuba. Ouais, en fait, c'est un projet qui est né lors d'un voyage à Cuba l'année dernière, au mois de juin, justement. En fait, ça fait un an que les prémices de ce projet sont nées. Donc, l'idée de ce projet est née à peu près il y a un an à La Havane, avec un collectif de photographes, de vidéastes, d'écrivains, de peintres. En fait, on est allé en groupe d'artistes pour palper chacun à sa façon, avec son langage, ce qu'on ressentait de La Havane, de son histoire, politique, de son histoire aussi musicale, culturelle, picturale, parce qu'il y avait des peintres, il y avait un peu tout, donc des gens qui touchent différents médiums. Et pour ma part, moi, comme j'étais le seul musicien, donc il a fallu que j'aille chercher d'autres musiciens, parce que la musique est un art collectif, donc je ne pouvais pas, comme les photographes, être juste avec mon appareil, ou comme les vidéastes, juste avec ma caméra. Tu as apporté un peu ton grain de sel. Bah, déjà, je suis allé chercher un plat pour mettre mon sel dedans. Donc, donc j'ai rencontré des musiciens, dont justement Javier Campos, qui est un des cofondateurs de Argel de La Havana, puisque en fait, je l'ai rencontré à La Havane en juin, et il est revenu en France, parce qu'il a vécu en France avant. Il est revenu en France au mois de novembre. Donc on s'est remis en contact au mois de novembre. On a remonté, on a monté ce qui s'appelle aujourd'hui Argel de La Havana, parce qu'en fait à La Havane, quand on s'est rencontrés, on a joué avec d'autres gens, d'ailleurs dont un monsieur qui est décédé depuis, qui s'appelle Alberto, à qui je rends hommage, et j'espère qu'il repose en paix. En tout cas, voilà, c'est une histoire qui est très riche, parce que en fait, bizarrement, plus les pays sont loin, plus quand on voit des connivences, quand on voit des points qui se ressemblent, ben c'est d'autant plus touchant. Moi, je sais que aujourd'hui, il y a une ouverture, c'est vrai que oui. Ça s'ouvre. Et ben justement, alors ça coïncide avec ça bizarrement parce qu'on est allé l'année dernière et que c'est l'année dernière que ça a commencé à parler d'ouverture et de fin d'embargo. Mais il faut savoir que c'est pas Cuba qui a mis sous embargo l'Amérique, encore une fois. C'est quand même l'Amérique qui a déclaré que Cuba devait être sous embargo. Donc maintenant qu'il déclare, qu'il lève l'embargo, c'est très bien. Mais Cuba n'a jamais changé de positionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont fermé leurs frontières, ce n'est pas eux qui ont dit « on ne veut pas de vous ». Ce n'est pas eux qui ont exclu les autres, d'une part. Et d'autre part, je ne mange pas de cette nouvelle ouverture. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est une ouverture néolibérale qui guette Cuba comme elle guette l'Algérie, comme elle guette un certain nombre de pays qui ont soit de la richesse, soit un aspect peut-être qui fait peur, ou un aspect en tout cas qui fait peur à l'Empire, qui fait qu'on a envie de les dévoyer, de les amener ailleurs. En tout cas, on te retrouve là-bas sur un beau projet artistique, culturel, effectivement. Et puis tu seras en concert à Alger. Oui, bientôt. Donc, alors, le 9 juin, je crois. Oui. Alors, bien sûr, l'intitulé même du projet porte Alger et La Havane, parce que c'est vraiment un lien direct entre les deux capitales. Donc, c'est Argel de La Havane. En tout cas, c'est ce projet que tu mènes. Hein. Voilà, c'est ce projet en ce moment qui est vraiment chaud, puisque c'est là-dessus qu'on répète depuis quelques mois. Depuis le mois de février, on a commencé à bosser là-dessus. Et ça commence à bien prendre forme. Ça commence à être même bien dansant, parce qu'on a joué une fois à Ivry. Et le public a bien réceptionné ça, bien reçu ça. Ouais. Et voilà, j'espère que les Algérois vont aimer ce qu'on va faire, parce que c'est complètement des ingrédients qui sont liés justement à Alger et à La Havane particulièrement. Par exemple, l'aspect latin qu'on retrouve dans la musique cubaine, eh ben on le retrouve dans la musique chaabi. C'est ce qui fait la richesse. Voilà, et on ne le retrouve pas forcément dans d'autres musiques maghrébines. Alors ça, c'est nouveau, ce mélange, cette fusion, c'est nouveau. C'est tout nouveau. En fait, c'est une fusion qui n'en est pas réellement une. Parce que en fait, les musiques d'esclaves se rejoignent d'une certaine manière, et que en fait, quand tu écoutes la musique qu'on est en train de malaxer actuellement, qui s'appelle le Congo ou le Palo aussi, c'est des rythmes très speed qui se jouent par les communautés noires à Cuba depuis les temps de l'esclavage. Ces chants-là, c'est comme des chants gnawa en fait, c'est exactement les mêmes gammes, et les rythmes se ressemblent beaucoup. Il y a pratiquement 80% de 6-8, les musiciens comprendront ce que je veux dire. Le 6-8, c'est le tac-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 t
C'est ce qui fait bouger les reins de tout le Maghreb. Et là-bas, c'est la même C'est chose, ça, ça se rejoint. exactement. Alors, c'est vrai qu'on a une vision de Cuba qui est un peu gringo, en fait. Ben En Occident, en France, on a l'impression que Cuba, c'est la salsa et la rumba. Mais en fait, n'y Cuba, a ce pas n'est que pas que ça. la salsa et la rumba. La salsa, déjà, c'est quelque chose qui est né à New York, au contact des musiciens cubains qui avaient besoin aussi de bouffer. Donc, ils ont fait plutôt du jazz cubain que vraiment de la musique cubaine, même s'ils ont apporté beaucoup et que ça a coloré le jazz. Mais en fait, la vraie musique cubaine qui fait partie des répertoires qu'on aborde là et qui sont vraiment des répertoires de la survivance des esclaves. C'est vraiment des trucs qui ont survécu à 4 siècles à la fois d'esclavage, de révolution, de dictature, de révolution après castriste, etc. Je veux dire, c'est des phénomènes qui ont traversé le temps et qui sont encore là, intacts. Tu sais que les chants sont encore en Yoruba et en Bantou. Ils chantent encore dans les langues africaines. Ils jouent encore les instruments, les bata, qui sont des instruments que tu retrouves au Nigeria avec exactement les mêmes Alors ça noms. c'est magnifique effectivement, C'est un c'est ce truc que de tu vas fou. nous apporter, c'est ton projet. On le retrouve à Alger le 9 Le 9 au chapiteau juin, de Wilton, le 9 mais juin. pas seulement à Alger, parce Oui. que tu l'as fait à Évry, mais là alors c'est nouveau, je crois qu'on va balancer, c'est une totale exclusivité. Ouais. Tu vas nous faire un beau show au Festival International des Musiques Berbères, le FIMBA. Ah oui, tu m'en as parlé tout à l'heure. Alors, Ouais. je vous le dis, c'est pas encore signé. Mais Presque. oui, on va faire ça. Ouais. Il essaie de me faire signer de force, mais on va signer. Ouais. Non, parce que c'est vrai que non seulement tu as une musique effectivement qui est magique et qui est magnifique, et c'est vrai que le Fimba, ce parc floral de Vincennes, c'est magnifique. Et là, effectivement, c'est jouer finalement en plein air et faire découvrir cette culture aux autres, c'est aussi Bah, en l'objectif. tout cas, je pense que c'est salvateur pour notre époque de se retourner un petit peu en arrière et de se retourner vers les gens qui ont résisté pendant toutes ces années. Parce qu'en fait, on a quand même derrière nous, par exemple, nous les Algériens, on a derrière nous 60 ans d'indépendance, mais qui sont 60 ans de dépendance totale, en fait. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a zéro production, que tout pratiquement est subventionné par l'État, et que donc forcément, il ne peut pas y avoir de révolution dans ces conditions-là, puisqu'on est presque pieds et poings liés, on est subventionné, le lait est subventionné par l'État, l'essence est subventionnée par l'État, donc c'est une situation un peu comme ça. Alors que Cuba, c'est un pays qui malgré qu'il n'ait pas de gaz, malgré qu'il n'ait pas de pétrole, malgré que c'est un tout petit pays et que c'est un tout petit peuple, mais c'est des gens qui ont résisté quand même 60 ans au plus grand empire. 60 ans, Il y ils a ont des résisté. ressemblances. Ben, il y a une ressemblance dans ce qu'était l'Algérie et ce qu'était Cuba dans les années 60, puisqu'on se rappelle que Che Guevara est venu faire un discours à Alger, il est venu parler aux Algériens, il est venu aider les Algériens, les Cubains sont venus aider les Algériens pendant la guerre. Ça, on a tendance à l'oublier, en tout cas, je ne crois pas qu'on étudie ça dans les livres scolaires en Algérie. Et encore une fois, l'ouverture occidentale à Cuba, ce n'est pas du tout ça qui fait que ce projet voit le jour, c'est même plutôt en réaction à ce type d'ouverture artificielle que ce genre de projet naissent et vont naître. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est justement tous les ponts que les pouvoirs sont incapables de dresser. C'est des ponts qui sont des ponts culturels, des C'est ponts les artistes qui musicaux, font c'est des effectivement voilà, ces il ponts, n'y a c'est que ces les échanges artistes et effectivement les êtres humains et qui font. ces rencontres. Alors c'est vrai, Amazir, ce soir on est en live en fin de compte sur Berber TV et sur le Facebook. Donc là il y a plein de messages, hein, donc ils sont là, ils t'attendent. D'accord. Voilà donc Azul. Alors là on a les États-Unis qui sont là, Ah on a bien, mais Seattle aussi, qui est eh là, ouais, parce qu'on est, Washington qui est là. ouais. Voilà, tu as des amis là-bas? Bah, on a joué l'année dernière avec Gnawa, et puis j'ai Ouais. joué aussi en solo il y a 2 ans. Je suis allé comme un vagabond, j'ai joué un peu à New York dans Comme un des endroits troubadour. sombres. Ouais. Comme un troubadour. Voilà, donc en tout cas, ils sont là. Donc n'hésitez pas à venir. Hein. N'hésitez pas. Alors là, on nous parle aussi de cinéma. Donc c'est vrai que tu. Ah, Amazir Kateb, bah, il y a la musique, il y a le cinéma. Tu as fait aussi. Tu as joué avec Rachida Brakni. Il n'y a Ouais, pas. dans un Ouais. film qui s'appelle Let Them Come, Ouais. qui est malheureusement pas sorti encore en salle, qui est sorti seulement dans des festivals de cinéma. Bah, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais qu'il y a une galère de distribution sur le film. Donc je sais qu'il est sorti au Mais Festival ça de sortira. Montpellier, de Toronto. Il est sorti, il a été projeté à Alger aussi, parce que c'est une coproduction avec l'ARC. J'attends de voir s'il sort au moins dans un réseau alternatif de salles, Ouais, quoi, je en salle. pense, qu'il va ressortir. Il faut simplement peut-être relancer la machine. Ouais, Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils font au niveau de la c'est production, mais un c'est vrai peu qu'il n'est pas sorti, ouais. il est pas sorti comme les films de Spielberg, quoi. Ça va le faire. Il y a moins de promos, quoi. On sent tout de Alors, suite que Amazir Kateb, c'est pas le même budget. on peut pas parler d'Amazir Kateb sans parler de Kateb Yassine, papa. Ben, écoute, ça dépend de quoi tu parles après. Par exemple, si on parle foot, il y a moyen qu'on parle.
Il fait de l'humour. Il fait de l'humour. Ah, bientôt peut-être un one man show là. Non, jamais de la France. Mais quoi que, quand tu es sur scène, tu fais beaucoup d'humour en fin de compte. Bah, ça dépend. Si le public il est marrant. Après, des fois, il y a des publics qui sont tristes et tout. Ah, mais c'est à toi justement de l'amener à toi et de leur rendre un petit peu. Nous, on leur balance du gaz hilarant des fois. Ouais. Comme ça, ils rigolent un peu. Alors, Amazir, tu débarques en France. Mmh. T'as 15-16 ans. Ouais. Dans les années 88. Mmh. Papa était déjà là. 88, ouais. Ouais. Alors, papa était arrivé avant, donc on rappelle. Une année avant. Ouais. Comment ça se passait pour toi, les relations avec papa qui était déjà écrivain, qui était déjà dramaturge, qui était déjà dans la littérature, toi qui arrivais avec 15-16 ans, comment ça se passait? Ben écoute, ça se passait plutôt bien en fait. Quand j'étais à Alger et que lui avait passé une première année en France, tout allait bien puisque il m'a laissé en confiance. C'est plutôt moi qui ai déconné en fait, parce que bon, j'étais ado, j'avais 15 ans. Donc quand il est parti, je me suis senti un peu super libre. Ouais, quoi. Ouais. Donc j'ai commencé à faire tout ce qu'un gamin a envie de faire et qu'il ne faut pas faire. Bon, donc je sortais la nuit, je sortais quand il ne fallait pas, je n'allais pas à l'école, etc. Donc quand il est rentré au bout de je ne sais pas combien de mois, 2-3 mois en France, il a trouvé, trouvé un truc. Donc il m'a dit, t'as une semaine pour dire au revoir à tout le monde là et tu te casses et je vais t'avoir sous les yeux, comme ça tu vas étudier. Et en fait, quand je suis arrivé ici, donc j'étais un peu sous pression, mais moi, mon père, c'était mon ami, tu vois, même s'il me mettait la pression sur les études, par ailleurs, c'est quelqu'un qui quand même m'a laissé une grande liberté, il ne m'a jamais bridé en tout cas. À chaque fois qu'il m'a secoué, c'est pour me remettre sur les rails, pas pour me castrer, je ne sais pas quoi. Donc, ça a été un peu tendu, on va dire, le premier mois avant que je fasse mon examen d'entrée, parce que j'étais arabisant, moi, quand j'étais à Alger, j'ai tout étudié en arabe, moi, la chimie, les maths, la géo, l'histoire. Il a fallu que tu actualises, que tu adaptes. Voilà, il fallait que je me mette à Charlemagne et tout ça. Et donc, j'ai eu à peu près un mois ou deux pour faire ma prépa, j'étais en seconde, donc j'ai dû refaire une seconde en français. Et après, quand il a vu que j'avais eu des résultats qui étaient positifs, que j'étais reçu, après, il m'a lâché un peu du bled. Ouais, mais il y avait une belle pression quand même, parce que… Ah ouais, ouais. Kateb Yassine, voilà. Ça rigolait pas, c'est un papa, c'est un papa au sens chéoui du terme. Ouais, au-delà du papa, c'est vrai qu'il avait une histoire, il avait un vécu, il avait un historique, ton père, donc à un moment donné, c'est difficile il était vraiment cash. En fait, tu sais, mon père, il a fait de la prison à 15 ans. Il en est ressorti transformé, parce qu'il a rencontré l'Algérie réelle, en fait, de l'époque, parce qu'à l'époque, tu sais, il était fils d'avocat, donc il a eu la chance d'aller à l'école française, il a eu la chance… de manger à sa faim, il n'a pas vécu la misère qu'ont vécu d'autres Algériens à la même époque. Donc quand il est allé en prison, il y a eu une espèce d'immersion dans une Algérie qui l'a complètement choqué, chamboulé, retourné. De là est né Nejma et toute l'histoire poétique et dramaturgique. Oui. Donc c'est quelqu'un qui avait, dans toutes ses douleurs, dans tous ses marasmes et dans toutes ses aventures de vie, besoin d'avoir une grande rigueur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur, même si c'est un écrivain autodidacte quelque part, parce que il faut avoir de la rigueur à un moment. Et oui, sinon on se perd. Et je pense que c'est ça qu'il essayait de m'inculquer avant tout. C'est d'abord la rigueur, pas forcément d'être toujours sérieux, d'être crispé, ou c'était pas du tout son cas. C'est pas quelqu'un de crispé. Une question qui me vient justement, le fait d'avoir un papa qui s'appelle Kateb Yassine, est-ce que ça pèse sur toi? Est-ce que ça a pesé? Est-ce que ça pèse aujourd'hui? Non, c'est ça peut fausser les rapports parfois. Par exemple, quand j'étais petit, je sais très bien qu'il y avait des gens qui me faisaient des sourires parce que j'étais le fils de mon père et que si j'avais été n'importe qui d'autre, le même mais un autre, ça n'aurait pas été le cas. Je sais très bien que ça peut provoquer des espèces de relations un peu faussées ou pas, en tout cas pas réelles, etc. Tout ça, j'ai eu le temps de l'intégrer depuis que je suis petit. Si tu veux, le phénomène public, en fait, c'est ça qui est le plus gênant. Oui. Mais après, au-delà de ça, il y a le contenu de l'œuvre, il y a ce à quoi elle renvoie, et puis il y a surtout les gens qui sont réellement les enfants de cette œuvre, c'est-à-dire les gens qui en font quelque chose aujourd'hui, les théâtres qui la jouent, les gens qui la lisent, la font lire, la récitent, la déclament. Ouais. Ah, bien sûr que c'est une fierté, les gens. Par exemple, Mehdi, il joue dans un groupe qui s'appelle Zigzitoun. Ils ont repris un texte de mon père qui s'appelle « Dans la gueule du loup », qui parle du 17 octobre 61, donc du jour où on a jeté les Algériens dans la Seine à Paris. Ben ça, ça fait vraiment un grand plaisir. Je pense que s'il était là, ça lui ferait encore plus un énorme plaisir. Alors peut-être qu'on y croit, on n'y croit pas, hein, peut-être que son âme plane justement. Mmh. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ce soir à papa si t'écoutait? Parce que je pense que de là où il a vu ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire de nous envoyer un peu de poudre d'intelligence et de poudre de résistance. Parce qu'on manque de courage et de résistance en ce moment. Ouais. Je crois qu'on
on se trompe d'amis. Et d'ailleurs, tu sais, Argel de la Havana, c'est un peu un retour à des sources paternelles aussi, parce que mon père était un communiste trempé qui n'a jamais eu sa carte d'aucun parti. C'est quelqu'un qui a toujours boycotté les appareils, les partis, les pouvoirs en général, mais qui était profondément rouge. Et je pense que c'est ça notre vraie famille, tous, le Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient. Au lieu de croire que ce sont les Saoudiens et les Qataris qui sont vos frères, eh ben, vos vrais frères, ils sont en Amérique latine. Vos vrais frères, les seuls qui se sont levés pour la Palestine au moment où ils se faisaient bombarder par les Israéliens, au moment où les Israéliens ont bombardé le Liban, les seuls qui ont ouvert leur gueule, c'est les Vénézuéliens, les Brésiliens, c'est les Latinos. Donc moi, si j'ai un truc à dire aux Algériens, aux Maghrébins en général, c'est tournez-vous vers l'Amérique latine. C'est cela, vos frères. Arrêtez de croire que vos seuls frères sont ceux qui parlent la même langue que vous. Ça, c'est une grande erreur. Amazir Kateb, bien sûr, en tout cas avec nous ce soir. Alors, je te propose hein, ben d'aller faire un tour hein, sur Facebook. Hein, voilà. Alors, on nous dit merci. Voilà, donc là, merci. Donc, hein, on te remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on parle français dans une chaîne berbère. Eh bien, oui, effectivement, hein, on parle français parce que voilà, y a de tout hein, sur Berbère Télévision. Azoul Ayamazir, ne change rien, t'es au top. C'est Voilà. gentil, Hein, merci. voilà, en tout cas, ils sont tous là. Voilà, merci. Hein. Tu mérites le prénom Amazir. Ça, c'est je suis Mossiba. Ah yes, on sait pas. Et ben voilà, en tout cas, ils sont tous là. Ils ont fort apprécié tout à l'heure la chanson que tu nous as Ah, chantée. Leila, Hein. ouais, c'est une chanson Exactement. d'ailleurs qui est un extrait d'un film Du de film Laurent Lorrain. Voilà, Voulzy, exactement. qui a Ça, on été nous l'a écrite rappelé. pour l'occasion. Exactement. On nous l'a également Et d'ailleurs, rappelé. les gens me l'ont souvent demandé, parce qu'elle n'est pas encore sortie, ni sur un album, ni rien. Il y a juste un petit extrait dans le film. Et donc, il y a plein de gens qui me demandent soit de la chanter en live quand je joue en concert. Ils m'envoient des petits messages comme là, tu vois, Et sur bien, tu l'as fait Facebook. en live. Ah Voilà. oui, parce que moi je lis mes messages. Ouais. Ah là, ouais. Alors, c'est vrai que bientôt en concert, bientôt Alger. Oui. Alors, tu étais il n'y a pas si longtemps que ça, on répète. Hein, donc là, tu viens directement des répétitions. Hein, donc déjà, c'est très gentil avec ton équipe de musiciens. Alors, à quelle occasion tu vas. C'est pour le début des festivités que tu vas chanter ce neuf. Bah, écoute, nous, dans l'absolu, là, on a monté ce projet pour jouer. Donc, Ouais. que ce soit le début ou la Tu me fin de la présentes, on festivité, s'en fout. tu vois, nous, Voilà, on on s'en fout. joue. Ouais. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, peut-être si vous avez une salle, vous voulez qu'on joue, on peut venir, quoi. On peut Voilà, venir jouer. voilà, Ça, important. c'est... Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, je parlais de toi il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais à Alger avec le directeur du théâtre, Kateb Yassine, Ah, de Tizi. ouais, de Tizi, Farid Amiaou. Justement, on parlait de toi. Et voilà, on parlait de toi. Il était content, fier, effectivement, de pouvoir être le directeur de ce théâtre. Et il développe effectivement beaucoup de projets. Il y avait des enfants, justement, qui étaient là, qui venaient de Sétif par rapport à l'hommage rendu à Brahim Misery. Oui, j'ai vu ça parce que tu sais, j'ai une alerte Google sur le nom de mon père. Ouais. Donc, fatalement, tout ce qui se passe au théâtre de Kateb Tizi, tout ce qui Yassine. s'appelle Kateb Yassine, je Ah reçois oui. toutes les alertes Ouais. Google du théâtre. Donc, je sais tout ce qui se Tout passe à ce la qui minute passe. près. Ouais. Et ben voilà, en tout Enfin, cas, ils t'attendent. dès que Google Ouais. est au courant, je suis au Ouais. courant en général. Alors, ils t'attendent, puisqu'il m'a dit que tu avais joué il n'y a pas si longtemps que ça à la Maison de la Culture Wood Mamry. Oui, on a joué près de la Maison de la Culture, et on a joué à Oukel en fait, au stade. On a joué pendant le Panafricain, au Festival Panafricain. On a fait le stade Oukel Ramadan à Tizi, le stade de la JSK. Et ouais. D'ailleurs, il y avait plein de supporters de la JSK, Et c'était ben en bien. tout cas, ils t'attendent hein, au C'est cool. théâtre Kateb Yassine. Et ben alors, je vous propose de repartir en musique. D'accord. Alors, quelle chanson allez-nous maintenant, allez-vous nous interpréter? Je ne sais pas du tout. On va voir. Voilà, On va demander au Gembré, il va nous dire c'est ça. du live. Ouais. On va Ah, peut-être, hein, vous qui nous regardez discuter ce avec lui. soir, hein, peut-être si vous avez l'idée d'une chanson, allez-y, peut-être qu'ils la feront comme ça en live. Allez, c'est calé, c'est pour vous, Amazir Kateb. On fait un petit morceau cubain, tiens. Aïe, j'ai mon téléphone. Voilà, c'est ça le live. Désolé, la jeunesse, hein, Et savais pas. oui, on est en live. Hein. Alors, en fait, c'est un internaute qui t'appelle, hein, qui te dit. Non, c'est un musicien. Et ben voilà, c'est ça, c'est le live. Attends, j'ai peut-être le. C'est calé, bien sûr, c'est pour vous. On vous rappelle, hein, Amazir Kateb, il sera en concert à Alger le 9, allez le voir. Et puis, bien sûr, au FIMBAS, au Festival International de Musique Berbère, au Parc Floral de Vincennes. Ça va être chaud, chaud, chaud. Chaud bouillant. Exactement. Eh bien, on vous attend bien sûr à hein, Berber TV Connect. Hein. Venez nous retrouver, Berber Musique et le Facebook de Berber Télévision. Amazir Kateb.
devlet soudana Congo Managua. Devlet del Congo Congo Managua. Congo Bacheche Congo Managua. E derechito Congo Managua. E piango piango Congo Managua. Rabaya Congo Managua. Magnifique, hein. Finalement, c'est un espèce de concert privé pour les internautes qui sont là avec nous ce soir. Bah ouais, pour toi aussi. Ah, merci, en tout cas, c'est magnifique. On plonge. Hein. T'es le seul qui n'est pas internaute, en fait, c'est ça. c'est un privilège pour moi. Ah bah. C'est un privilège. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être là ce soir à ma place. Ah bah, je pense que s'ils étaient là, il y aurait de l'ambiance. Ouais, il y a de l'ambiance déjà. Hein. Ouais. Il y a de l'ambiance, hein. C'est chaud. Là. Je crois, c'est vrai moi, j'ai chaud, je commence à avoir chaud.
Mais toi, à l'aise, hein. C'est vrai qu'à ce temps-là, il n'y a plus personne dans les locaux. Il y a quelques personnes, en tout cas, on est là. C'est vrai qu'il y a une très, très belle ambiance. Donc là, on nous dit justement, à quand le prochain album? À bientôt, là. Normalement, avec ce projet, on est censé enregistrer en live. Alors, c'est possible qu'avant d'enregistrer l'album dans sa totalité, on fasse peut-être un ou deux ou trois singles en attendant. Mais j'espère que ça va être dans l'année qui court, là. Enfin, dans l'année qui court. Dans l'année qui va courir. Alors, on y retrouvera en tout cas ce projet. Hein, oui, c'est, ouais, c'est voilà. Al-Khel de la Havana. Voilà, donc l'album pour bientôt. Là, on nous dit sur la route de ton papa. Yes. Voilà. Cool. Bah, tu vois, ils sont là, en tout cas. Voilà. Dans le domaine musical, Amazir Kateb a toujours été un grand. Tu vois, hein, voilà, les gens le disent, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, voilà, en tout cas, ils sont là avec nous ce soir. Ton père sera fier de toi. Hein, voilà. Si tu sortais une chanson en kabyle. Ah, alors, ça va venir, ouais, ça va venir. Voilà. C'est en route. Voilà. Dans le prochain album. J'espère dans le prochain album. Ça demande en fait un certain boulot parce que il y a une différence entre reprendre une chanson qui existe déjà et travailler et sur un texte original et le faire traduire en kabyle et travailler sur la musicalité du truc. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que reprendre, j'ai aussi envie de reprendre des textes. Mais à mon avis, ça aura plus de sens si c'est un texte, par exemple, de Yacine ou même un texte de quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'aime bien aussi les choses qui tirent vers... par exemple, tu vois, j'ai repris un texte de Derwish qui va être aussi sur le prochain album, un texte de Mahmoud Derwish. Mais je ne l'ai pas repris en arabe, je ne l'ai pas repris en français, je l'ai repris en anglais. Pourtant, il est écrit en arabe à la base. Ouais, tu l'as repris mais à ta sauce. Voilà, je l'ai repris en anglais parce que je trouvais que ça sonnait plus blues, c'était plus joli. C'est la sauce à Mazir. Et après, voilà, après c'est des choix, on verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est une envie qui est là. Et, voilà. Et pas qu'en kabyle, d'ailleurs, j'aimerais bien toucher aussi au Chaoui. Enfin, voilà, en fait, j'aimerais bien toucher quelque chose. Qu'on retrouve toutes les langues sur un album. Qu'on retrouve un parler berbère qui soit compris par tous les berbères. Ça, j'aimerais bien que tous les Imazirines puissent se retrouver et pas seulement les Kabyles ou les Chaouis. Je sais que c'est un vrai problème, même intra-berbère. C'est-à-dire, je sais très bien que, par exemple, entre la musique Chaoui et la musique Kabyle, il n'y a pas tant de mix que ça. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y en a quelques qui l'ont fait, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mixé ces deux musiques. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mixé du Chaoui avec du Tergui. Ou du, je sais pas moi, du rifi avec du... Même le rifi et le chelh, par exemple, mélange pas. Ouais. Et pourtant, c'est le même pays, tu vois. Mais tu vas le faire. Ben, écoute, moi, je parle pas le berbère. J'aimerais bien, si je suis aidé, s'il y a des gens, des linguistes ou des gens qui maîtrisent, tu vois, qui peuvent m'éviter de faire fausse route sur le plan linguistique, parce que moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis tellement amoureux de la langue que... Ouais, je pense qu'ils seront là pour t'aider, bien entendu, effectivement, pour que ce projet sorte. Donc là, on nous dit... ton père... voilà. Un paix à son âme, voilà. Et là, on dit, ça va être merveilleux. L'album que tu prépares, la chanson va être, ça va être super. Voilà, ça va être merveilleux. Voilà, même si même un Chaoui peut chanter Kabyle, hein, voilà. Donc ils sont là en tout cas. Oui, bien sûr, tout le monde. Voilà. En fait, tout le monde peut chanter ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'ils le font pas. Ouais. C'est pas qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. On pourrait changer l'Algérie, par exemple, mais on le fait pas. Donc, on espère qu'un jour ça va. Voilà. Moi, ce que je dis juste, c'est que en fait, les mêmes vases clos qui existent entre les arabophones et les amazirophones, eh ben, ils existent parfois entre les arabophones eux-mêmes, à travers le régionalisme, par exemple, c'est un phénomène qu'on connaît très bien, ou à travers, par exemple, regarde, par exemple, juste entre la petite et la grande Kabylie, il y a plein de disparités, il y a toujours un truc, il y en a un qui dit « nous c'est mieux, l'autre c'est mieux », il y a toujours ce truc-là, qui est que, en fait, on fonctionne en vase clos. Ça, c'est l'humain qui est comme ça. On finit toujours par se renfermer, je pense que c'est... C'est ça qui va nous faire le plus de mal. C'est pas de parler l'arabe et le berbère et le français. Les langues sont pas des ennemis. Jamais une langue ne peut être ton ennemi. Une langue, c'est une clé. C'est complémentaire. Bien sûr, mon père, c'était un berbériste. Mon père, il a défilé en 80. Il a été aux côtés de Mouloud Mamri. Il a été aux côtés de Matoub. Il a été aux côtés de tous les gens qui ont fait le printemps berbère et le MCB. Mm-hmm. Ça l'a pas empêché de me dire jusqu'à dans son lit de mort. Me dire continue à étudier l'arabe, ne lâche pas l'arabe, c'est pas parce que tu es en France que tu dois lâcher tes cours d'arabe, parce que c'est une clé, parce que c'est dommage d'avoir appris cette langue et de la lâcher pour des convictions politiques ou autres, c'est de la connerie ça. Il y a l'arabisation qui est une grosse connerie, qui écrase une autre langue qui s'appelle le berbère et une autre langue encore qui s'appelle l'arabe dialectal, parce qu'il n'y a pas que le berbère qui est écrasé par l'arabe classique en tant qu'instrument d'écrasement justement culturel, mais la langue en elle-même, je ne peux pas considérer qu'une langue est mon ennemi. Je ne peux pas raisonner. C'est une richesse. Voilà. C'est une richesse, effectivement. Alors, on attend, bien sûr, cet album. Alors, tu avais repris, je crois, deux textes de ton papa déjà sur un de tes albums. Ouais. Voilà. Peut-être aussi une envie de faire un album spécial
Avec les textes, avec quelques-uns des textes de papa? Non, en fait, il y a quelques textes que j'ai envie De de reprendre, reprendre, mais je n'ai pas encore vraiment dans ma tête une idée d'un album que avec des textes de Yassine, parce que, en fait, moi aussi j'écris, et moi aussi j'ai des envies, et si je fais un album, je vais aussi poser mes envies, tu vois. Donc. Ouais, mais là, spécial dédicace, peut-être, tu sais, un espèce de slam parlé, tu vois, qui pourrait accompagner. Justement, ce serait peut-être un Moi, bel c'est hommage à différent en papa. fait. C'est Ouais. le truc que j'aurais envie de faire, ça serait plutôt mettre de la musique sur ses œuvres, mais en gardant les œuvres dans un aspect littéraire. Ce qui ne veut pas dire que ça va être muet. Mais par exemple, pourquoi pas les livres audio, des choses comme ça, avec de la musique en plus, avec une Avec la voix. réinterprétation de certains Ouais, textes ouais, en ouais. musique. Mais je ne me vois pas faire un album. Exclusivement caté bien, ça va peut-être arriver. Hein. C'est juste maintenant que je le sens pas, ce truc-là. Mais par contre, j'ai déjà une sélection de textes qui depuis longtemps est là. Il y a des thèmes qui sont déjà prêts. Il y a déjà un travail qui est fait. D'ailleurs, je vais vous jouer un texte qui est un texte de mon père qui s'appelle Scorpion. Tout à l'heure, si vous êtes gentil, On sera gentil. Là, justement, tu parlais de Matoub. On nous demande justement un petit extrait, peut-être après, de Matoub. On n'a pas préparé ça, Ben malheureusement, oui, pour ce soir. ouais. Peut-être pour Désolé. une. Voilà, Parce qu'on pour savait une. qu'on était chez Berber TV, on s'est dit, on ne va pas jouer du matos, mais on écoute tout le temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. On C'est voulait pas vrai. vous saouler, désolé. Voilà. Alors, on rappelle, tu débarques en France, donc 15-16 ans, les études. Comment tu arrives justement à monter ce groupe dans la diffusion? C'est une rencontre? Tu avais déjà envie de, ou déjà quand tu étais à Alger, tu jouais aussi? Alors quand j'étais à Alger, en fait, la première fois que je suis monté sur scène avec des musiciens, où j'ai chanté tout seul, comme ça et tout, j'avais 14 ans. C'était à la salle L'Onamo à Alger, c'est juste à côté de la rue des Douches. J'étais fier comme un coq, il y avait plein de monde, c'était un 1er novembre, c'était pour la fête de la Révolution. Et par la suite, j'ai essentiellement fait autoradio dans la voiture, parce qu'on n'avait pas d'autoradio. Donc quand on allait à la plage, c'est moi qui chantais. Je connaissais plein de chansons, donc je faisais office d'autoradio pour la famille. Et puis dans le quartier, après, quand j'ai commencé à être un peu plus vieux, quand je commençais à sortir le soir, ben, bien sûr, quand tu veilles et que tu fumes un peu et que voilà, il n'y a rien à faire, ben, on chante, quoi. Il y avait toujours quelqu'un qui savait jouer un peu de guitare. Mais je suis venu assez tard aux instruments, en fait. J'ai touché d'abord la voix, ben, j'ai toujours aimé chanter. J'ai d'abord touché les percussions. Bien après, j'ai touché le guembri, c'est venu vraiment par la suite. D'ailleurs, mon premier guembri, c'est mon premier percussionniste de Gnawa qui me l'a offert. Donc c'est lui qui a eu l'idée de m'offrir le guembri parce qu'il savait que j'adorais ça. On avait déjà monté Gnawa à l'époque. Mais je l'ai eu tard en fait. Le guembri, je crois que je l'ai eu à l'âge de pratiquement 24, 25 ans. Gnawa, donc là, tu montes dans la diffusion un groupe qui cartonne finalement. Ben, il y a eu une Ouais. période où ça a bien Il y cartonné, avait je me rappelle. l'ONB et Gnawa Diffusion. C'était Ouais, deux groupes qui. c'était un son nouveau à Ouais. l'époque. Personne ne connaissait le gnawi, en tout cas pas beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'était marrant de voir l'effet de cette musique sur les gens, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'accès à ça. Il n'y avait pas encore Internet, donc on ne pouvait pas aller fouiller dans un YouTube ou je sais pas quoi pour aller trouver des trucs roots, tu vois, à l'ancienne. C'était que les initiés qui avaient des sons comme ça. Et donc on a commencé à aborder ça, et puis nous-mêmes on a découvert en abordant, hein, parce qu'à la base, quand on a appelé Gnawa Diffusion, quand on a appelé ce groupe Gnawa Diffusion, c'était essentiellement parce que moi j'aimais les chants Gnawa et que je chantais à la façon des Gnawa avec les cris, etc. À C'était la un façon peu, des griots, en fait, voilà, la ouais. façon des, tu vois, un truc un peu avec la pression, quoi, tu vois, la pression vocale avec des cris, quoi. Donc c'était ça d'une part, donc le chant qui était teinté Gnawa, la rythmique aussi, mais il n'y avait pas de guembri. Moi au départ, je jouais de la basse, je mettais un truc en mousse entre les cordes de basse pour pas qu'elles résonnent trop, et je faisais avec le médiator, tu vois, je jouais un peu des lignes comme ça. Mais je te dis, le guembri, c'est arrivé vraiment, tu vois, on s'est monté en 92, le guembri, je l'ai eu en 96, quelque chose comme ça. Et donc, la rediffusion, ça monte, ça cartonne. À un moment donné, tu décides d'arrêter, de partir en solo. Qu'est-ce Oui, qui fait ça que c'est. tu pars en solo? Ça y est, t'avais envie C'est, de tu prendre ton sais, c'est envol au ou. bout de 15 ans quand même. Là, tu as fait un gros résumé quand même. Tu as dit, ouais, bon, ça cartonne, allez hop. J'ai pas fait ça quand même. Non, il Je y a eu suis plein de choses, sérieux. bien Je les sûr. ai pas mis à la rue comme ça. Non, J'ai prévenu, j'ai des lettres de ouais. préavis partout. Mais ça me fait penser à Zebda, effectivement, qui me racontait, finalement, on était trop. On était trois, quatre à un moment donné, il fallait que chacun puisse prendre Ouais. son envol pour peut-être revenir en force. Et c'est C'est ce qu'ils ont clair. fait. C'est clair. Et puis, tu sais, il y a un truc qui se passe en fait quand tu montes un groupe, quand tu es devant, quand c'est toi qui chantes. Malheureusement, Tu portes. c'est souvent le chanteur qui parle pour les autres. Ce n'est pas forcément une envie, mais c'est souvent vers lui qu'on va.
Et bon, il se trouve que j'ai monté ce groupe en plus. C'est moi qui suis à l'origine de ce truc-là. Du coup, toutes les crises qu'on a traversées, y compris les splits, y compris les séparations, y compris les défections, des retards et des histoires, en tant que chef de groupe, même si j'étais le plus jeune à l'époque, j'étais toujours en train de rassembler les De gens, gérer, d'essayer de mettre des pansements là où, tu vois, mettre des rustines là où il y avait des trous. Mais en fait, à force de faire ça, au bout de 15 ans, je me suis oublié, moi. C'est-à-dire que moi, mes défections, je ne leur ai pas laissé une seconde pour vivre. J'ai pas fait le débile, j'ai pas assez fait le débile, en fait, pendant 15 ans. J'ai fait que le papa, alors que je n'avais pas de famille, tu vois, à proprement dit. Donc après, je me suis dit, maintenant, prends du temps pour toi et arrête de travailler, de penser qu'au travail, arrête de trimer, en fait, tout simplement. Donc j'ai arrêté déjà pour me libérer de ça, de me dire que j'étais libre et que je pouvais envisager la vie autrement. Le problème, c'est que je ne peux pas me reposer plus d'un mois ou deux. Après, je deviens fou. Enfin, tu vois, après, tu t'ennuies, quoi. Donc, je me suis remis à écrire, je me suis remis à composer. Et forcément, quand tu écris et tu composes, tu as envie de faire un album, parce que tu n'écris Et pas là, pour tu les pars. murs. Et donc, c'est reparti, quoi. C'est reparti comme ça, en Mais fait. là, C'est tu te retrouves tout vraiment. seul finalement. Là, Ah ouais, j'étais t'es, seul. enfin, avec tes musicos, mais t'es seul face au public. Oui, avec mon nom, quoi. Ça veut dire là, j'assumais tout ce Amazir que je Kateb. disais moi-même en tant qu'Amazir Kateb. C'est vrai que c'est très différent. Par exemple, une des envies que moi j'ai toujours mise de côté parce que justement il y a un système démocratique dans le groupe qui fait que j'avais pas envie de par exemple de prendre les textes de mon père et de les mettre dans le contexte démocratique de Gnawa Diffusion parce que mon père ça reste mon père et Oui, que tu voulais pas tout mélanger. voilà je vais pas présenter mon père aux élections, je m'en fous que tu votes pour lui, moi c'est mon père, tu vois ce que je veux dire, donc je peux pas amener cette matière-là au sein d'un groupe Et puis et tu la n'avais pas le droit. triturer, et la Voilà. triturer comme je me triture moi-même. Moi, mes textes, je m'en fous, c'est pas un problème. Mes textes, on les triture, on les déchire, on enlève. Ce mot, il me plaît pas, change-le. Ça arrive, hein, des fois, il y a des mecs qui te disent, dans ton groupe, dans ton propre groupe, peuvent te dire, ouais, ce passage, je ne trouve pas génial, tu devrais changer, et c'est très bien. Ben, c'est ensemble qu'on C'est-à-dire, c'est avance, ensemble qu'on effectivement. avance, tu vois. Mais quand c'est l'écriture de ton père, et qu'en plus, il est absent, il est mort, il n'est T'as même pas pas le là pour droit. se défendre, tu sais pas. Tu vois, c'était difficile de faire ce pas en groupe. Donc, je l'ai fait tout seul. Et bizarrement, le fait d'avoir fait ce pas tout seul, le fait d'avoir choisi de quitter le collectif, eh ben, ça m'a fait vivre un truc qui m'a fait avoir la nostalgie du collectif. En fait, c'est vrai. C'est vrai. En fait, Gnawa, au bout d'un moment, m'a un peu saturé parce que c'était beaucoup de monde à gérer pendant 15 ans. J'ai eu envie d'être un peu seul. Et quand je me suis retrouvé seul, il y a un moment, j'avais besoin d'avoir un peu de bordel autour de moi. Et donc, naturellement, les musiciens de Gnawa sont revenus dans l'histoire. Et là, ils ont joué des textes sur des textes de mon père. Et ça ne posait plus aucun Mais problème. ça s'appelle Puisque. plus Gnawa, voilà. C'est Mais Amazir parce que Kateb. voilà, c'était Amazir Voilà. Kateb et parce que c'était moi qui m'étais occupé d'arranger, de composer. Il n'y avait pas d'intervention de Brani. Une envie peut-être de refaire, pourquoi pas, un show Gnawa Diffusion pour Ah, mais nous, le. on fait des shows. Là, on va jouer ben, au même endroit que je vais jouer avec Argel de la Havana le 9. On a encore deux concerts avec Gnawa. Gnawa, donc ce sera Oui, plus Amazir Gnawa Kateb, mais Diffusion. Gnawa. Ouais, Gnawa Diffusion le 27 et 28. Et ben Juin, voilà. 27-28 juin, donc encore dans le cadre des soirées ramadanesques. Voilà. Et il y a un concert qui vient de se confirmer aujourd'hui pour El Naba, le 30 juin. Et ben voilà, en tout cas, Voilà. restez calés parce que Amazir Kateb sur scène, c'est chaud, chaud, chaud. Allez, on va faire un petit tour sur Internet. Tu veux dire Amazir Kateb sur scène au mois de juin, c'est chaud, chaud, chaud. Je vous dis, il a de l'humour. Il a de l'humour, Amazir Kateb. L'humour climatique. Et ben voilà, donc hein, il y a plein de messages assez sympas. Voilà, cela me rappelle l'expression de ton père. Voilà, Quoi? c'est bombarder la lune dans la rivière pour exprimer, je pense. Voilà. Ah oui, bombarder la lune dans la rivière, ouais, c'est quand tu vois le reflet de la lune. Et ben voilà, en tout cas, ils sont là, bien sûr, avec nous hein, ce soir. Tu vas chanter quand à Tixirt? Tixirt, ben là, pour l'instant, il n'y a pas Pas de. encore. L'agence internationale de booking de Tixirt ne nous a pas Et encore bien contacté, mais justement, ça vous va, qui nous ça va regardez très ce bien. soir, hein, Ouais. peut-être une tournée, peut-être justement Oui. là-bas, en Algérie, voilà, allez-y, en Ah tout cas. oui, d'ailleurs, nous, notre gros problème, c'est qu'on joue que dans les grandes villes. Bon, essentiellement à Alger, mais même les grandes villes qu'on a abordées en Algérie, malheureusement, c'est toujours Oran, Constantine, et encore, vraiment peu, tu vois. Même ces grandes villes-là, on a besoin d'y retourner et d'aller jouer. À Naba, c'est pareil, on a déjà joué. Nous, on aimerait beaucoup jouer dans les toutes petites villes, quoi. On a envie Alors, d'aller tu sais un peu quoi, regarde, plus. là, justement, on va lancer la machine. Alors, on était, je t'avais dit, il n'y a pas si longtemps que ça, à Tizi Ouzou pour le concours national de la chanson Amazigh. Ouais. Il y a des vrais talents qui sont là, effectivement. Eh bien, on va lancer l'association, hein, Ouais. l'association Tarwan Gaya et Youssef Hadji. Alors, on va les lancer, pourquoi pas, pour vous produire là-bas, pour le 10e concours de la chanson nationale Amazigh.
Pourquoi pas? Pour justement être en show et ouais. pour clôturer ce festival. C'est une sorte de tremplin, c'est un tremplin festival. Voilà, c'est un petit enfin, peu un comme, concours, comme, ouais. voilà, comme The Voice ou comme la Star Academy où en fin de compte, tu as des jeunes qui sont là. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le concours national de la chanson Amazir. Ah d'accord. Voilà. C'est pas The Voice en berbère? Non. Comment voilà. on dit The Voice en berbère? Les voix, comment on dirait? Ah, j'y sais pas. Ou la voix. Voilà. Comment on dit la voix? Ah, franchement... C'est Berber TV, c'est ouais. la Darvel. Exactement. C'est quoi cette honte? Exactement. Moi. Ça, on me l'a fait toute ma vie à la balade. Alors, justement. Rioul, bon. Alors, ça me fait penser. Alors, justement, dédicace ce soir, Brahim Izri. Ouais. Il y avait son fils, on était ensemble justement pour ce hommage à Brahim Izri. Qui te passe le bonjour? Oui. Voilà, Yannick qui te passe un grand bonjour. Mais Farid, t'oublie pas de lui passer le bonjour justement. Brahim Izri, qui était passé à Berber Télévision. Ouais. Il y a à l'époque où effectivement... Oui, il bossait avec Edir quand ils étaient sur Identité. Un peu après, ouais. un peu après quand il, quand il présentait la plateforme d'Elexeur, hein, le code de la famille. Il ouais. est arrivé à Berber TV et il m'a dit « Oh, toi, justement, tu es à Berber TV et tu ne parles pas kabyle. Hein, » Parce que tu as dit. Mais il m'a dit « La culture, tu la portes dans le cœur. » Bah voilà. Oui, c'est clair. Exactement. C'est clair. Donc, c'est comme ça, monsieur Amazir Kateb. Eh bien, écoute, je te propose, Amazir, si tu veux bien, à ce moment d'émission, de repartir, pourquoi pas, en musique. On repart en musique. Allez, je vais vous faire un texte qui s'appelle Scorpion. C'est un texte de mon père, justement, qui est dans le recueil L'œuvre en fragments. C'est un tout petit texte. Mais c'est un texte qui est... Il est corrosif. Il est corrosif. Il s'appelle Scorpion. Eh bien, on écoute ça. C'est calé, c'est maintenant, c'est pour vous. Chaque jour, chaque jour, chaque jour.
On nous dit, c'est vrai, je répète, hein, voilà, c'est magnifique. Hein. De toute façon, la musique est universelle. Hein. Alors là, on nous demande un nouvel album avec Nawa. Ça va venir. Ça va venir aussi. Normalement. Là, on est déjà sur ce projet, mais il y a des titres, je pense, qui vont se travailler entre temps. Ouais. Donc là, tu es quand même sur plusieurs projets. Hein. L'album avec ton nouveau projet, l'album avec Nawa, les concerts, chaud. Ouais, c'est chaud, mais tant mieux, parce que sinon, après, tu t'ennuies. Toi, tu peux pas rester sans rien faire. Je peux rester sans rien faire, mais pas trop longtemps. Je vois. Alors là, on nous dit préfères-tu dans la chanson berbère, le texte ou le folklore? Ah, moi, j'adore. Moi, je suis un amoureux du texte. Ouais. Après, le folklore, il y a folklore et folklore. Il y a des trucs qui me saoulent carrément. Il y a des trucs, c'est pas... Tu vois, des trucs vraiment de danse, comme ça. Bon, c'est bien pour danser, tu vois, mais c'est pas le truc que je vais mettre chez moi. Bien sûr. Ouais. Mais après, c'est clair que les textes, quand je les comprends, ça me fracasse la tête. Les textes de Mato, par exemple, j'ai lu un ouvrage là où il y a ces traductions. Quand tu écoutes une chanson et que tu lis la traduction, déjà, même si c'est pas la même émotion que la langue, parce que dans la langue, il y a la beauté de la poésie et tout, mais déjà juste le sens, ça te met un autre coup de matraque que si tu te prends juste le son sans comprendre le propos. Ouais. Donc c'est en grande partie le texte qui me touche, y compris dans le shabi, y compris dans pratiquement toutes les musiques. Mais par exemple, tu vois, bizarrement dans la musique gnawa, il n'y a pas beaucoup de texte. Dans la musique congo, il n'y a pas beaucoup de texte. Oui, c'est des trucs lancinants, c'est répétitif. Ouais. Et ça aussi, j'aime beaucoup. C'est entraînant. Ouais. Ça aussi, j'aime beaucoup. Justement, la gnawa-attitude, est-ce que c'est une façon d'être? Est-ce que c'est une façon d'être? C'est une façon de ne pas de vivre, être. C'est une façon de ne pas être comme, tu vois... C'est une liberté. Mainstream, oui, bien sûr. C'est une liberté. C'est se libérer d'avoir forcément une façon d'être. Tu sais, un peu comme pouvait faire Bob Marley avec le reggae. Ah, bon, lui, il a tracé un truc qui était le rastafarisme aussi, tu vois. Il y a tout un concept religieux derrière. Mm-hmm. Mais dans la musique gnawa, c'est presque tout le contraire. C'est-à-dire qu'on se libère à travers la religion et on n'est pas... La religion sert à libérer l'esclave, en fait. Elle sert à montrer au blanc qui a asservi le noir qu'il est son égal et que devant Dieu, s'il est vraiment croyant, le blanc, il ne devrait pas mettre en esclavage. En gros, c'est ça un peu le message qui est véhiculé par les Gnawa. Par exemple, les Gnawa qui étaient animistes et qui se mettent à chanter « L'Allah » et « Muhammad Rasulullah », c'est pas parce qu'ils avaient envie de devenir musulmans. C'est parce qu'ils étaient persécutés par des musulmans et qu'il fallait gagner une stature et gagner leur respect. Et aussi leur faire comprendre qu'eux-mêmes étaient musulmans comme eux. Ouais, c'est un moyen d'exister finalement. Ben oui, c'est un moyen d'exister et d'arriver à l'égalité. C'est sûrement pas le moyen qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont on utilise aujourd'hui la religion pour asservir les gens, abêtir les gens, les enfermer. C'est très très grave. La religion, ça n'a jamais été ça. La religion, c'est quelque chose qui libère les gens et qui les apaise. Et moi, des fois, quand je vois les faces des intégristes là, ils me donnent tout sauf envie de me convertir à l'islam, parce que déjà leur gueule, elle fait peur. Déjà, ils font la tronche là, ils ont des balais brosses, les mecs. Ils me disent va te laver, va te raser, parfume-toi, après viens parler de. Exactement. C'est vrai que tu viens me parler de d'épanouissement personnel, tu viens me parler d'être moi serein et de ne pas être dans le péché. Toi, déjà, ta face, c'est un péché. C'est quoi l'histoire? Mais c'est vrai, tu vois, c'est bon quoi. Alors, Amazir, on nous demande quels sont les chanteurs berbères qui t'inspirent ou qui t'ont donné envie, qui t'ont fait. Oui, il y en a. Le premier, c'est Idir, dont j'ai appris les chansons par cœur tout gamin quand j'étais petit. J'ai beaucoup chanté Idir, parce que quand il a sorti son album, ça a fait un fureur, gros tabac. Après, j'ai écouté Farhat aussi à une époque, quand il est sorti de prison, tout ça, Barouagia, tout ça, j'ai beaucoup écouté à cette époque-là.
Plus maintenant, par contre, j'ai plus trop. Ma taupe aussi, j'ai eu une petite période ma taupe parce que moi j'adore le shabby et que ma taupe c'est quand même un. C'est un vrai médiateur. C'est un riche, c'est un vrai shabbyman, quoi. D'ailleurs, même il y a plein de chanteurs de shabby qui disent ça. Ils disent que si ma taupe avait chanté en arabe, il aurait mangé tous les chanteurs de shabby. Je te jure, c'est vrai, ils le disent. Parce qu'il est, c'est un tueur de l'arrangement, c'est un tueur du médiateur et c'est un vrai instrumentiste. C'est pas juste un chanteur engagé. Et ça aussi, je trouve que c'est dommage de le réduire que à ça. C'est d'abord un artiste. Après, c'est quelqu'un qui avait énormément de courage. Mais précisément, ce qui a tué les musiques engagées, par exemple, des années 60-70, c'est qu'on les a réduites, à un moment donné, à n'être que du texte, à n'être que de l'engagement. Et en fait, on a perdu le festif. Mais quand tu entends Slavit Sayyabhari, c'est ultra festif. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ma'toub, dans son travail, il y a le festif. Il y a la tristesse, il y a le festif, il y a le profond, il y a le politique, il y a le guerrier, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas enlever le festif. Pourquoi on lui enlève ce truc-là? C'est quelqu'un qui faisait danser les gens aussi, et tant mieux. C'est, heureusement, moi j'ai vu un Zénith entier danser sur ma taupe. Oui. Je suis allé, moi, quand il était vivant, j'ai été invité à jouer au Zénith pour le 21 avril. J'ai vu un Zénith entier danser sur ma taupe. Donc on ne vient pas nous raconter de salade, à nous faire une icône, comme si c'était quelqu'un qui était ultra sérieux, le Khoshu. C'est pas un imam, ma taupe. Ma taupe, c'est un chanteur. C'est un musicien. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu vois, il avait tout simplement l'envie. Bien sûr, et c'est un grand artiste. Alors oui, là, on nous dit oui, des grands Kabyles. Ah oui, il y a des grands Kabyles, il y a des grands Hollandais aussi. Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup de chanteurs de chez nous qui s'expriment aussi intellectuellement qu'Amazir. Ah. Alors, qui c'est qui nous dit ça? C'est Idir Salah. C'est parce que je révise mes cours. Alors là, on nous dit, vous venez quand en Bretagne? Ça dépend, quelle Bretagne? La Bretagne de Petite Kabylie ou la Bretagne de Quimper Finistère? Alors là, il y a Dida Didou qui nous dit, avec ce magnifique souvenir à Évry, bravo Amaz. Ah, il est venu à Évry, c'est cool. Merci d'être venu, gars, c'est cool. Alors là, on nous dit encore, hein, c'est pour quand l'album, hein, on nous dit donc des concerts en France, c'est pour quand, dans des dates en France? Il y a une seule date en solo en France pour moi, c'est le 9 juillet, c'est à Thiers, T-H-I-E-R. Voilà, en tout cas, vous qui l'envoyez ce soir. Alors là, on nous dit, est-ce qu'il a fait partie de l'Orchestre National de Barbès? Oui ou non? Non, moi j'ai fait partie de l'Orchestre National des Barbares. Mais qui kiffe. Mais c'est vrai que c'était deux groupes. Je les connais bien, très bien par contre. Les musiciens passent d'un groupe à l'autre, non, de temps en temps? Ça dépend. Nous, moi j'ai déjà eu à jouer avec des membres de l'ONB, mais ce n'était pas spécialement parce qu'ils remplaçaient quelqu'un ou quoi. C'était des bœufs ou c'était à d'autres occasions, quoi. Mais justement, on a envie de faire un truc là. On prépare un truc. Je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas bien. On va en parler après. Voilà, là, on nous dit, le texte à Yassine a été traduit, apparemment, c'est bien. Quel texte? Alors, je ne sais pas de quel texte il parle. Ah, il parle de Nejma, non? Ouais, peut-être, ouais. Parce que j'ai reçu un courrier dernièrement me parlant de traduction de Nejma en tamazirt. Et ben voilà. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Je ne sais pas. Peut-être, ouais. Alors, est-ce que Amazir a essayé de chanter un de ses textes en shahabi? Bien sûr. Ben oui. Plein. Ben voilà, en tout cas, ils sont là, effectivement, avec nous ce soir, bien sûr. Vous pouvez connecter, hein, Berber TV Connect ou Berber Musique ou bien le Facebook de Berber TV. Amazir, donc c'est vrai que là, ce soir, on est en live. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir, justement, au public qui est là, aux internautes qui sont là avec nous ce soir? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, que je vous remercie de nous suivre en direct, parce que je sais que c'est pas forcément courant, quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent. Ils regardent plutôt les jolies filles sur Facebook qu'un live, tu vois. Ah, t'es un beau gosse, là. Il n'est pas beau gosse, là, Amazir. Voilà, justement. Allez, on pose une question. N'est-il pas beau gosse, Amazir? Profil de face. Ah, bien sûr, monsieur. Alors, voilà. Donc, non, mais bon. C'est ça que je veux dire, c'est que Facebook étant un grand dragodrome, je les remercie quand même de pas se laisser perturber par ces demoiselles. Et de rester un peu avec nous comme ça, c'est bien, ça fait plaisir. En plus, je pense que c'est mix, non, c'est mix les messages, l'arrête de l'aller. Ah non, c'est mix. Ah non, il y a des filles, il y a des garçons, il y a de tout, ça qu'il y en a beaucoup, énormément. Donc, on essaie de les prendre au vol. Voilà, il nous reste peu de temps à passer ensemble, effectivement. Alors, peut-être après une dernière chanson, avant de nous quitter. Alors, avant de chanter, on nous dit demande-lui pourquoi tu zappes, tu vas bien te marrer. T'inquiète, c'est une de ses chansons, j'ai rien compris. Hein? C'est pour quand un album en chaoui? Alors tu sais, des fois les questions, ils sont... Un album en chaoui? C'est chaud, là, il va falloir que... Alors, un grand merci. Là, on se dit un grand merci pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ils sont là, en tout cas. Voilà, ils sont avec nous, en tout cas. C'est pour quand Montréal? Alors, c'est vrai que Montréal, au Canada, ça se développe de plus en plus.
Ouais, et puis il y a un vrai public à Montréal. Ouais, à chaque fois qu'on a joué, nous, c'est... Donc tu as déjà joué. Hein. Ah oui, j'ai joué plein de fois à Montréal avec Gnawa et avec mon projet solo. Et j'espère avec Argel de la Havana parce que, en fait, les vols Montréal-La Havane, c'est... il y a beaucoup de vols. En fait, beaucoup de Canadiens vont au Canada. Beaucoup de beaucoup de Cuba. Merci. Beaucoup de Canadiens vont à Cuba en vacances parce que c'est pas très loin et que c'est direct les tropiques. Tu vois, tu passes de la Sibérie à la chaleur extrême. Et donc, j'aimerais bien faire une petite escale par Montréal, jouer là-bas et après aller à La Havane. Parce Et qu'en ben fait, voilà. ce projet, en fait, je pense qu'il sera ficelé. En tout cas, sur le plan disque, il sera ficelé le jour où on aura fait Alger et La Havane. Pour moi, ça me Ouais. semble évident, parce Il faut le qu'après le faire de La avant. Havane, il Ouais. faut au moins qu'il y ait les deux. Ouais. Après, on pourra sortir l'album. Je pense Ben, que on tant qu'on attend n'aura ça pas fait les deux. effectivement avec impatience. Donc là, on nous dit beau gosse, hein. Voilà. Voilà. Tu vois, on nous dit donc Attends, beau trop gosse. beau gosse Amazir. C'est qui dit ça? C'est une fille ou c'est un mec? Alors, attends, qui c'est qui dit J'ai entendu ça? une fille qui disait que Niel. c'était un mec. Niel. Niel, ça Hein? doit être une nana. Ça doit Niel? être une nana, ouais. Ok, Ça doit bon. être une nana. Si Alors, t'es on nous une fille, dit. merci. Et si t'es un mec, la mère, allez. C'est pas cher, Alger-Montréal. Voilà. En tout cas, ils sont là avec nous hein, ce soir. Et bien voilà, donc on va bientôt arriver à la fin de ce rendez-vous. Yes. Alors, c'est vrai que tu étais en répétition. Ouais. Hein. Tu viens directement et tu repars après. On rappelle bien sûr que tu seras en concert à Alger Ouais, hein, le le 9. 9 juin. Voilà. Et puis bientôt, en tout cas, au Festival international de musique berbère, hein, au Inch'Allah. Parc floral de Vincennes. Alors, avant de te quitter et de vous laisser partir, parce que c'est vrai que pour vous, ce n'est pas terminé. Il y a encore les répètes, enfin, pas ce soir, mais en tout cas, dans les jours qui vont arriver. Ouais, on a encore 2 jours. Voilà. Alors, on finit avec quelle chanson, Amazir? Alors, ben, on peut finir avec. Qu'est-ce que vous voulez jouer quoi? Les jeunes. Les jeunes. Vous voulez faire africain, ça te dit? Vas-y, allez, On fait ça? Ah voilà, tu vois, les Africains. les Ah. Africains. Va ça, Et ben voilà, ils machin. vont vous mettre le feu en tout cas. Voilà, c'est calé, c'est pour vous. C'était Amazir Kateb sur Berber Télévision, Berber Musique. Musique. Est-ce qu'après le morceau, on pourra dire au revoir ou on dira Bien au revoir sûr, bien maintenant? sûr, bien Non, sûr, on pourra dire au revoir. on a encore un temps de Bien parole. sûr, voilà, Ça exactement. va, je me dis pas au revoir. Voilà, on va mettre le feu et après Ok, on se dira au revoir ça marche. tranquillement. Ça met un petit coup de cordage, s'il te plaît. Ça va, j'aime bien jouer faux. Ça change un peu, tu vois. Dis putain, il a une patte, le mec. Ouais, c'est différent, ouais. Il fait exprès.
Magnifique, en tout cas une très très belle ambiance ce soir, c'est très très chaud hein, ouais. Dans les studios. Alors on va terminer, ça va arriver très très vite. Alors, quelques questions qui nous viennent, on demande, demande-lui c'est quoi le concert le plus marquant que tu as fait, que tu aies pu faire. Je pense que c'est mon premier concert où les gens connaissaient la chanson et où ils chantaient avec moi. Oh, ouais. C'était un petit concert, hein, c'était pas spécialement gros, c'était dans un café-concert à côté de Grenoble. Dans un tout petit bled qui s'appelle Saint-Nicolas-de-Macherin. Et c'est la première fois que j'ai eu une rumeur, c'est-à-dire un public, qui répétait avec moi une chanson que j'avais écrite. J'étais fier. Grenoble. J'étais tellement fier que je me suis saoulé. Ouais. On était venu te voir à Grenoble. Oui. On avait fait une émission chez toi. Je me rappelle, C'était dans les années 2004-2005, je crois. C'était à l'époque où j'habitais dans un bidonville. Exactement. Non, c'était pas un bidonville. C'était pas un bidonville. C'était une maison avec les murs peints, blancs. Mais non, c'est une ville bidon, excusez-moi. C'est une ville bidon. Eh bien voilà, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Donc là, voilà, on vous dit au revoir de la part de Dalila, Elias de Washington. Yes, voilà, on nous dit, tu nous as donné, alors elle est pas mal celle-là, Elias et Dalila de Seattle, te salue. Tu nous as vraiment donné un cours de musique. Ah, c'est gentil. Intéressant. Voilà. C'est gentil, moi qui n'ai jamais pris un cours de solfège. Eh bien voilà. Plaisir. En tout cas, eh bien voilà, on va bientôt se quitter avant de vous abandonner, de vous quitter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Le mot de la fin, mon cher Amazir. Ben, le mot de la fin, c'est que je vous aime, que ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous. Il y en a plusieurs, en fait, des mots de la fin. Il y en a un autre, ça s'appelle « Sahar Mdankom » pour ceux qui jeûnent. Ouais. Et « Ma Sahar Mdankom » pour ceux qui ne jeûnent pas. Et aussi, on joue encore une fois le 9 juin à la Khaïma du Sheraton. Donc, venez nombreux, amenez avec vous vos copains, vos copines, venez danser, venez vous détendre et venez faire en sorte que l'Algérie
reprennent vie, parce que Dawami, c'est trop, faut venir. Eh bien voilà, eh bien, en tout cas merci beaucoup hein, pour ce rendez-vous, pour cette rencontre avec ton public, hein, j'ai envie de dire ce concert un peu privé, parce que voilà, j'ai eu la chance d'assister à ce concert. Peut-être que vous aurez la chance, vous, la prochaine fois, peut-être qu'on peut inviter le public la prochaine fois à venir assister, pourquoi pas, hein, à ces émissions Facebook, hein. Milou de la Salle, qu'en penses-tu? Eh bien merci à Milou de la Salle qui était à la réalisation. Hein. Avec du, même le riff et le shelh par exemple, ça ne se mélange pas, ouais. Et pourtant c'est le même pays. Tu vois. Mais tu vas le faire. Bah écoute, moi je parle pas le berbère, j'aimerais bien, si je suis aidé, s'il y a des gens, des linguistes ou des gens qui maîtrisent, tu vois, et qui peuvent m'éviter de faire fausse route sur le plan linguistique, parce que moi c'est ça qui me fait peur, je suis tellement amoureux de la langue que... Ouais, je pense qu'ils seront là pour t'aider bien entendu, pour effectivement, pour que ce projet sorte. Donc là, on nous dit, ton père, voilà, un paix à son âme, voilà, et là on dit, ça va être merveilleux. L'album que tu prépares, la chanson va être, ça va être super. Voilà, ça va être merveilleux. Voilà, même si même un Chaoui peut chanter Kabyle, hein, voilà. Donc ils sont là en tout cas. Oui, bien sûr, tout le monde. Ouais. En fait, tout le monde peut chanter ce qu'on veut. C'est le problème, c'est qu'ils le font pas. Ouais. C'est pas qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. On pourrait changer l'Algérie par exemple, mais on le fait pas. Donc, on espère qu'un jour ça va. Voilà. Voilà. Moi, ce que je dis juste, c'est que en fait, les mêmes vases clos qui existent entre les arabophones et les amazirophones. Eh bien, ils existent parfois entre les arabophones eux-mêmes, à travers le régionalisme, par exemple, c'est un phénomène qu'on connaît très bien, ou à travers, par exemple, regarde, par exemple, juste entre la petite et la grande Kabylie, il y a plein de disparités, il y a toujours un truc, il y en a un qui dit « nous c'est mieux, l'autre c'est mieux », il y a toujours ce truc-là, qui est que, en fait, on fonctionne en vase clos. Ça, c'est l'humain qui est comme ça. On finit toujours par se renfermer. Je pense que c'est ça qui va nous faire le plus de mal. C'est pas de parler l'arabe et le berbère et le français. Les langues ne sont pas des ennemis. Jamais une langue ne peut être ton ennemi. Une langue, c'est une clé. C'est complémentaire. Moi, ben oui. Bien sûr. Moi, mon père, c'était un berbériste. Mon père, il a défilé en 80. Il a été aux côtés de Mouloud Mamré. Il a été aux côtés de Matoub. Il a été aux côtés de tous les gens qui ont fait le printemps berbère et le MCB. Mm-hmm. Ça ne l'a pas empêché de me dire jusqu'à dans son lit de mort, me dire continue à étudier l'arabe. Ne lâche pas l'arabe. Ce n'est pas parce que tu es en France que tu dois lâcher tes cours d'arabe. Parce que c'est une clé, parce que c'est dommage d'avoir appris cette langue et de la lâcher pour des convictions politiques ou autres. C'est de la connerie, ça. Il y a l'arabisation qui est une grosse connerie, qui écrase une autre langue qui s'appelle le berbère et une autre langue encore qui s'appelle l'arabe dialectal, parce qu'il n'y a pas que le berbère qui est écrasé par l'arabe classique en tant qu'instrument d'écrasement justement culturel. Mais la langue en elle-même, je ne peux pas considérer qu'une langue est mon ennemi. Je ne peux pas raisonner. C'est une richesse. Voilà. C'est une richesse, effectivement. Alors, on attend, bien sûr, cet album. Alors, tu avais repris, je crois, deux textes de ton papa déjà sur un de tes albums. Ouais. Voilà. Peut-être aussi une envie de faire un album spécial avec les textes, avec quelques-uns des textes de papa. Non, en fait, il y a quelques textes que j'ai envie de reprendre. Ouais. Mais je n'ai pas encore vraiment dans ma tête une idée d'un album que avec des textes de Yacine. Parce que, en fait, moi aussi j'écris, et moi aussi j'ai des envies. Et si je fais un album, je vais aussi poser mes envies, tu vois. Ouais, mais là, spécial dédicace, peut-être, c'est un espèce de slam parlé, tu vois, qui pourrait accompagner. Justement, ce serait peut-être un bel hommage à papa. C'est différent, en fait. C'est le truc que j'aurais envie de faire, ça serait plutôt mettre de la musique sur ses œuvres, mais en gardant les œuvres. Dans un aspect littéraire, ce qui ne veut pas dire que ça va être muet. Mais, par exemple, pourquoi pas les livres audio, des choses comme ça, avec de la musique en plus, avec une réinterprétation de certains textes en musique. Ouais. Mais je ne me vois pas faire un album exclusivement Katébien. Ça va peut-être arriver. Hein. C'est juste maintenant que je ne le sens pas, ce truc-là. Oui. Mais par contre, j'ai déjà une sélection de textes qui, depuis longtemps, est là. Il y a des thèmes qui sont déjà prêts. Il y a déjà un travail qui est fait. D'ailleurs, je vais vous jouer un texte qui est un texte de mon père qui s'appelle Scorpion. Tout à l'heure, si vous êtes gentil, je vais... On sera gentil. Là, justement, tu parlais de Matoub. On nous demande justement un petit extrait peut-être après de Matoub. On n'a pas préparé ça, malheureusement, ce soir. Ah, peut-être. Désolé, parce qu'on savait qu'on était chez Berbère TV, on s'est dit on ne va pas jouer du Matoub, ils en écoutent tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. On ne voulait pas vous saouler, désolé. Voilà, alors... On rappelle, tu débarques en France, donc 15-16 ans, les études. Comment tu arrives justement à monter ce groupe dans la diffusion? C'est une rencontre? Tu avais déjà envie de... Ou déjà, quand tu étais à Alger, tu jouais aussi? Alors, quand j'étais à Alger, en fait, la première fois que je suis monté sur scène avec des musiciens, où j'ai chanté tout seul, comme ça et tout, j'avais 14 ans. C'était à la salle L'Onamo à Alger, c'est juste à côté de la rue Didouche.
J'étais fier comme un coq, il y avait plein de monde. C'était un 1er novembre, c'était pour la fête de la Révolution. Et par la suite, j'ai essentiellement fait autoradio dans la voiture parce qu'on n'avait pas d'autoradio. Donc, quand on allait à la plage, c'est moi qui chantais. Je connaissais plein de chansons. Donc, je faisais office d'autoradio pour la famille. Et puis, dans le quartier, après, quand j'ai commencé à être un peu plus vieux, quand je commençais à sortir le soir, bah, bien sûr, quand tu veilles et que tu fumes un peu et que voilà, il n'y a rien à faire, bah, on chante. Quoi. Il y avait toujours quelqu'un qui savait jouer un peu de guitare. Mais je suis venu assez tard aux instruments, en fait. J'ai touché d'abord la voix, j'ai toujours aimé chanter. J'ai d'abord touché les percussions. Et bien après, j'ai touché le gumbri, c'est venu vraiment par la suite. D'ailleurs, mon premier gumbri, c'est mon premier percussionniste de Gnawa qui me l'a offert. Donc, c'est lui qui a eu l'idée de m'offrir le gumbri parce qu'il savait que j'adorais ça. On avait déjà monté Gnawa à l'époque. Mais je l'ai eu tard, en fait. Le gumbri, je crois que je l'ai eu à l'âge de... pratiquement 24, 25 ans. Gnawa, donc là, tu montes Gnawa Diffusion, un groupe qui cartonne finalement. Ben, il y a eu, une période où ça a bien cartonné. Il y avait l'OMB et Gnawa Diffusion, c'était deux groupes c'était qui... C'était un son nouveau à l'époque, personne ne connaissait le Gnawi, en tout cas pas beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'était marrant de voir l'effet de cette musique sur les gens, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'accès à ça. Il n'y avait pas encore Internet, donc on ne pouvait pas aller fouiller dans un YouTube ou je ne sais pas quoi pour aller trouver des trucs roots, tu vois, à l'ancienne. C'était que les initiés qui avaient des sons comme ça. Et donc, on a commencé à aborder ça. Et puis, nous-mêmes, on a découvert en abordant. Hein, parce qu'à la base, quand on a appelé Gnawa Diffusion, quand on a appelé ce groupe Gnawa Diffusion, c'était essentiellement parce que moi, j'aimais les chants Gnawa et que je chantais à la façon des Gnawa, avec les cris, etc. C'était la façon peu, des griots, en fait. Voilà, la façon des... Tu vois, un truc un peu... avec la pression, quoi. Tu vois, la pression vocale, avec des cris, quoi. Donc, c'était... Ça, d'une part, donc le chant qui était teinté Gnawa, la rythmique aussi, mais il n'y avait pas de gumbri. Moi, au départ, je jouais de la basse, je mettais un truc en mousse entre les cordes de basse pour pas qu'elle résonne trop. Et je faisais avec le médiator, tu vois, je jouais un peu des lignes comme ça. Mais je te dis, le gumbri, c'est arrivé vraiment, tu vois, on s'est monté en 92, le gumbri, je l'ai eu en 96, quelque chose comme ça. Et donc, Gnawa Diffusion, ça monte, ça cartonne, à un moment donné, tu décides d'arrêter, de partir en solo. Qu'est-ce qui fait que tu pars en solo? Ça y est, tu avais envie de bah c'est, de prendre ton envol, c'est au bout de 15 ans quand même. Là, tu as fait un gros résumé quand même. Tu as dit, ouais, bon, ça cartonne, allez hop. J'ai pas fait ça quand même. Non, j'ai eu plein de choses, bien sûr. Je les ai pas mis à la rue comme ça. Non. J'ai prévenu, j'ai eu des lettres de préavis partout. Mais ça me fait penser à Zebda, effectivement, qui me racontait, finalement, on était trop. On était 3, 4 à un moment donné, il fallait que chacun puisse prendre son envol pour peut-être revenir en force. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est clair. Et puis, tu sais, il y a un truc qui se passe en fait quand tu montes un groupe. Quand tu es devant, quand c'est toi qui chantes, malheureusement, c'est toujours. Tu portes. C'est souvent le chanteur qui parle pour les autres. Ce n'est pas forcément une envie, mais c'est souvent vers lui qu'on va. Et bon, il se trouve que j'ai monté ce groupe en plus. C'est moi qui suis à l'origine de ce truc-là. Du coup, toutes les crises qu'on a traversées, y compris les splits, y compris les séparations, y compris les défections, des retards et des histoires, en tant que chef de groupe, même si j'étais le plus jeune à l'époque, j'étais toujours en train de rassembler les gens, d'essayer de mettre des pansements là où, tu vois, mettre des rustines là où il y avait des trous. Mais en fait, à force de faire ça, au bout de 15 ans, je me suis oublié, moi. C'est-à-dire que moi, mes défections, je ne leur ai pas laissé une seconde pour vivre. Je n'ai pas fait le débile, je n'ai pas assez fait le débile, en fait, pendant 15 ans. J'ai fait que le papa, alors que je n'avais pas de famille, tu vois, à proprement dit. Donc après, je me suis dit, maintenant, prends du temps pour toi et arrête de travailler, de penser qu'au travail, arrête de trimer, en fait, tout simplement. Donc j'ai arrêté déjà pour... me libérer de ça, de me dire que j'étais libre et que je pouvais envisager la vie autrement. Le problème, c'est que je ne peux pas me reposer plus d'un mois ou deux. Après, je deviens fou. Après, tu t'ennuies, quoi. Donc, je me suis remis à écrire, je me suis remis à composer. Et forcément, quand tu écris et tu composes, tu as envie de faire un album parce que tu n'écris pas pour les murs. Ouais. Et donc, c'est reparti, quoi. Ouais. C'est reparti comme ça. En fait, mais là, c'est tu te retrouves tout seul, finalement. Là, j'étais seul. Enfin, avec tes musicos, mais tu es seul face au public. Oui, avec mon nom, quoi. Ça veut dire là, j'assumais tout ce que je disais moi-même en tant qu'Amazir Kateb. C'est vrai que c'est très différent. Par exemple, une des envies que moi, j'ai toujours mises de côté parce que justement, il y a un système démocratique dans le groupe qui fait que je n'avais pas envie de, par exemple, de prendre les textes de mon père et de les mettre dans le contexte démocratique de Gnawa Diffusion, parce que mon père, ça reste mon père. Et que, oui, tu ne voulais pas tout mélanger. Voilà, je ne vais pas présenter mon père aux élections. Je m'en fous que tu votes pour lui. Moi, c'est mon père. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas... amener cette matière-là au sein d'un groupe et la triturer comme je me triture moi-même. Moi, mes textes, je m'en fous, c'est pas un problème. Mes textes, on les triture, on les déchire, on enlève. Ce mot, il me plaît pas, change-le. Ça arrive, des fois, il y a des mecs qui te disent dans ton groupe, dans ton propre groupe, peuvent te dire ce passage, je trouve pas génial, tu devrais changer, et c'est très bien. Bah, c'est ensemble qu'on avance. C'est ensemble qu'on avance, tu vois. Mais
quand c'est l'écriture de ton père et qu'en plus il est absent, il est mort, il n'est pas là pour se défendre, ouais. Tu sais pas, tu vois, c'était difficile de faire ce pas en groupe. Donc je l'ai fait tout seul. Et bizarrement, le fait d'avoir fait ce pas tout seul, le fait d'avoir choisi de quitter le collectif, eh ben, ça m'a fait vivre un truc qui m'a fait avoir la nostalgie du collectif. En fait, c'est vrai. En fait, Gnawa, au bout d'un moment, m'a un peu saturé parce que c'était beaucoup de monde à gérer pendant 15 ans. J'ai eu envie d'être un peu seul. Et quand je me suis retrouvé seul, il y a un moment, j'avais besoin d'avoir un peu de bordel autour de moi. Et donc, naturellement, les musiciens de Gnawa sont revenus dans l'histoire. Et là, ils ont joué des textes sur des textes de mon père et ça ne posait plus aucun problème. Mais ça s'appelle plus Gnawa, voilà. C'est Amazir Kateb. Parce que voilà, c'était Amazir Kateb et parce que c'était moi qui m'étais occupé d'arranger, de composer. Il n'y avait pas d'intervention de Brani. Une envie peut-être de refaire, pourquoi pas, un show Gnawa Diffusion pour Mais on fait des shows. Là, on va jouer au même endroit que je vais jouer avec Argel de la Havana le 9. On a encore deux concerts avec Gnawa. Gnawa, donc ce ne sera plus Amazir Kateb, mais Gnawa. Ouais, Gnawa Diffusion, le 27 et 28 et juin. Voilà. 27-28 juin, donc encore dans le cadre des soirées ramadanesques. Voilà. Et il y a un concert qui vient de se confirmer aujourd'hui pour El Naba, le 30 juin. Et bien voilà, en tout cas, restez calés parce que Amazir Kateb sur scène, c'est chaud. Allez, on va faire un petit tour sur Internet. Tu veux dire Amazir Kateb sur scène au mois de juin, c'est chaud. Je vous dis, il a de l'humour. Il a de l'humour, Amazir Kateb. Ouais, l'humour climatique. Et ben voilà, donc, hein, y a plein de messages assez sympas. Voilà, cela me rappelle l'expression de ton père. Voilà. Quoi? C'est bombarder la lune dans la rivière pour exprimer, je pense. Voilà. Ah oui, bombarder la lune dans la rivière. Ouais, ouais. Tu vois le reflet de la lune. Ouais. Et ben voilà, en tout cas, ils sont là, bien sûr, avec nous hein, ce soir. Tu vas chanter quand à Tixirt? Tixirt, ben là pour l'instant il n'y a pas de. Pas encore. L'agence internationale de booking de Tixirt ne nous a pas encore. Et ben justement, vous qui l'ont regardé ce soir, hein, peut-être une tournée, peut-être justement là-bas, en Algérie, voilà, allez-y. En tout cas. Nous, d'ailleurs, notre gros problème c'est qu'on joue que dans les grandes villes, bon essentiellement Alger, mais même les grandes villes qu'on a abordées en Algérie, malheureusement c'est toujours Oran, Constantine, et encore, vraiment peu, tu vois. Même ces grandes villes-là, on a besoin d'y retourner, d'aller jouer. À Naba, c'est pareil, on a déjà joué, nous on aimerait beaucoup. والسماء يدبال
وسما يكحال وسما يدبال وسما يدبال وسما يكحال وانتي الهلال والحب هلال والحب حلال آه والحب حلال آه خي يا غير الخيار
Magnifique. Monsieur Amazer Kateb, bonsoir à Zoul. Merci d'être là. On va saluer bien sûr tes musiciens qui t'accompagnent. Oui, Mehdi Rayan. Mehdi Rayan. Radarbouka. Rakt, pakt, pakt, bébé. Et Rabah Hamran. Et ben voilà. Au lutte. Soyez, comme on dit, les bienvenus bien sûr. Alors ici, c'est vrai qu'on est en direct à la fois sur Berber TV Musique et sur le Facebook de Berber TV. Rejoignez-nous à Berber TV Connect. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, c'est vrai qu'actuellement, tu es en pleine actualité. Mmh. Hein, on te voit sur les routes, on te croise dans les aéroports. C'est, tout va comme tu veux? Ça va, ça bouge un petit peu, c'est normal. C'est un peu le début de la saison. C'est aussi le début d'un projet. Très bon projet. Écoute, j'espère que ça va être un beau projet. Entre Paris et Cuba, entre Alger et Cuba. Ouais, en fait, c'est un projet qui est né lors d'un voyage à Cuba l'année dernière, au mois de juin, justement. En fait, ça fait un an que les prémices de ce projet sont nées. Donc l'idée de ce projet est née à peu près il y a un an à La Havane, avec un collectif de photographes, de vidéastes, d'écrivains, de peintres. En fait, on est allé en groupe d'artistes pour palper chacun à sa façon, avec son langage, ce qu'on ressentait de La Havane, de son histoire politique, de son histoire aussi musicale, culturelle, picturale, parce qu'il y avait des peintres, il y avait un peu tout, donc des gens qui touchent différents médiums. Et pour ma part, moi, comme j'étais le seul musicien, donc il a fallu que j'aille chercher d'autres musiciens, parce que la musique est un art collectif, donc je ne pouvais pas, comme les photographes, être juste avec mon appareil, ou comme les vidéastes, juste avec ma caméra. Tu as apporté un peu ton grain de sel. Déjà, je suis allé chercher un plat pour mettre mon sel dedans. Donc, donc j'ai rencontré des musiciens, dont justement Javier Campos, qui est... un des cofondateurs de Argel de La Havana, puisque en fait je l'ai rencontré à La Havane en juin et il est revenu en France, parce qu'il a vécu en France avant. Il est revenu en France au mois de novembre, donc on s'est remis en contact au mois de novembre. On a monté ce qui s'appelle aujourd'hui Argel de La Havana, parce qu'en fait à La Havane, quand on s'est rencontré, on a joué avec d'autres gens, d'ailleurs dont un monsieur qui est décédé depuis, qui s'appelle Alberto, à qui je rends hommage et j'espère qu'il repose en paix. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire qui est très riche, parce que en fait, bizarrement, plus les pays sont loin, plus quand on voit des connivences, quand on voit des points qui se ressemblent, c'est d'autant plus touchant. Moi, je sais que aujourd'hui, il y a une ouverture. C'est vrai que oui, ça s'ouvre. Et justement, alors ça coïncide avec ça, bizarrement, parce qu'on est allé l'année dernière et que c'est l'année dernière que ça a commencé à parler d'ouverture et de fin d'embargo. Mais il faut savoir que c'est pas Cuba qui a mis sous embargo l'Amérique, encore une fois. C'est quand même l'Amérique qui a déclaré que Cuba devait être sous embargo. Donc maintenant qu'il déclare, qu'il lève l'embargo, c'est très bien. Mais Cuba n'a jamais changé de positionnement. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui ont fermé leurs frontières, ce n'est pas eux qui ont dit « on ne veut pas de vous », ce n'est pas eux qui ont exclu les autres, d'une part. Et d'autre part, je ne mange pas de cette nouvelle ouverture, je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est une ouverture néolibérale, qui guette Cuba comme elle guette l'Algérie, comme elle guette un certain nombre de pays qui ont soit de la richesse, soit un aspect peut-être qui fait peur, ou un aspect en tout cas qui fait peur à l'Empire, qui fait qu'on a envie de les dévoyer, de les amener ailleurs. En tout cas, on te retrouve là-bas sur un beau projet artistique, culturel, effectivement. Et puis tu seras en concert à Alger. Oui, bientôt. Donc, le 9 juin, je crois. Oui, alors bien sûr, l'intitulé coup joué dans les vraiment... les toutes petites villes, quoi. On a envie d'aller... Alors, tu sais quoi, regarde, là, justement, on va lancer la machine. Mmh. Alors, on était, je t'avais dit, il n'y a pas si longtemps que ça, à Tizi Ouzou pour le concours national de la chanson Amazigh. Ouais. Il y a des vrais talents qui sont là, effectivement. Eh bien, on va lancer l'association, l'association Tawan Gaya et Youssef Hadji. Alors, on va les lancer, pourquoi pas, pour vous produire là-bas, pour le 10e concours de la chanson nationale Amazigh.
pourquoi pas, pour justement être en show et pour clôturer ce festival. C'est une sorte de tremplin, c'est un tremplin festival. Voilà, c'est un petit peu comme The Voice ou comme la Star Academy, où en fin de compte, tu as des jeunes qui sont là. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le concours national de la chanson Amazigh. Ah d'accord, voilà. C'est pas The Voice en berbère? Non. Comment on dit The Voice en berbère? Les voix, comment on dirait? Ah, j'y sais pas. Ou la voix? Voilà. Comment on dit la voix? Ah, franchement... C'est Berber TV, c'est la Darvel. Exactement. C'est quoi cette honte? Exactement. Moi. Ça, on me l'a fait toute ma vie, elle est balade. Alors, justement. Ça me fait penser. Alors, justement, dédicace ce soir, Brahim Isri. Ouais. Il y avait son fils, on était ensemble justement pour ce match. Qui te passe le bonjour? Oui. Voilà, Yanni, qui te passe un grand bonjour. Mais des familles, t'oublie pas de lui passer le bonjour justement. Brahim Isri, qui était passé à Berber Télévision. Ouais. Il y a à l'époque où effectivement... Oui, bossait avec Idir quand ils étaient sur Identité. Un peu après, quand ils présentaient la plateforme Drexler, hein, le code de la famille. Il est arrivé à Berber TV et il m'a dit « Oh, toi, justement, tu es à Berber TV et tu ne parles pas kabyle, hein, parce que tu as dit. » Mais il m'a dit « La culture, tu la portes dans le cœur. » Bah oui, voilà. C'est clair. Exactement. C'est clair. Donc, c'est comme ça, monsieur Amazigh Kateb. Eh bien, écoute, je te propose, Amazigh, si tu veux bien, à ce moment d'émission, de repartir, pourquoi pas, en musique. On repart en musique. Allez, je vais vous faire un texte qui s'appelle Scorpion. C'est un texte de mon père, justement, qui est dans le recueil L'œuvre en fragments. C'est un tout petit texte. Mais c'est un texte qui est... Il est corrosif. Il est corrosif. Il s'appelle Scorpion. Eh bien, on écoute ça. C'est calé, c'est maintenant, c'est pour vous. Chaque jour, chaque jour, chaque jour.
C'est vrai, je répète, hein, voilà, c'est magnifique. Hein. De toute façon, la musique est universelle. Hein. Alors là, on nous demande un nouvel album avec Nawa. Ça va venir. Ça va venir aussi. Normalement. Là, on est déjà sur ce projet, mais il y a des titres, je pense, qui vont se travailler entre temps. Ouais. Donc là, tu es quand même sur plusieurs projets. Hein. L'album avec ton nouveau projet, l'album avec Nawa, les concerts, chaud. Ouais, c'est chaud, mais tant mieux, parce que sinon, après, tu t'ennuies. Toi, tu ne peux pas rester sans rien faire. Je peux rester sans rien faire, mais pas trop longtemps. Je vois. Alors là, on nous dit préfères-tu dans la chanson berbère, le texte ou le folklore? Ah, moi, j'adore. Moi, je suis un amoureux du texte. Ouais. Après, le folklore, il y a folklore et folklore. Il y a des trucs qui me saoulent carrément. Il y a des trucs, c'est pas... Tu vois, les trucs vraiment de danse, ça, bon, c'est bien pour danser, tu vois, mais c'est pas le truc que je vais mettre chez moi. Bien sûr, Mais après, c'est clair que les textes, quand je les comprends, ça me fracasse la tête. Les textes de Mato, par exemple, j'ai lu un ouvrage là où il y a ces traductions. Quand tu écoutes une chanson et que tu lis la traduction, déjà, même si c'est pas la même émotion que la langue, parce que dans la langue, il y a la beauté de la poésie et tout, mais déjà juste le sens, ça te met un autre coup de matraque que si tu te prends juste le son sans comprendre le propos. Mmh. Donc c'est en grande partie le texte qui me touche, y compris dans le shabi, y compris dans pratiquement toutes les musiques. Mais par exemple, tu vois, bizarrement dans la musique gnawa, il n'y a pas beaucoup de texte. Dans la musique congo, il n'y a pas beaucoup de texte. Oui, c'est des trucs lancinants, c'est répétitif. Ouais. Et ça aussi, j'aime beaucoup. C'est entraînant. Ouais. Ça aussi, j'aime beaucoup. Justement, la gnawa-titude, est-ce que c'est une façon d'être? Est-ce que c'est une façon d'être? C'est une façon de ne pas de être. C'est une façon de ne pas être comme, tu vois... C'est une liberté. Mainstream, oui, bien sûr. C'est se libérer de... d'avoir forcément une façon d'être, tu sais. Un peu comme pouvait faire Bob Marley avec le reggae. Lui, il a tracé un truc qui était le rastafarisme aussi, tu vois. Il y a tout un concept religieux derrière. Mais dans la musique gnawa, c'est presque tout le contraire. C'est-à-dire qu'on se libère à travers la religion et on n'est pas. La religion sert à libérer l'esclave en fait. Elle sert à montrer au blanc qui a asservi le noir qu'il est son égal. Et que devant Dieu, s'il est vraiment croyant, le blanc, il ne devrait pas mettre en esclavage. En gros, c'est ça un peu le message qui est véhiculé par les Gnawa. Par exemple, les Gnawa qui étaient animistes et qui se mettent à chanter « L'Allah » et « Muhammad Rasulullah », c'est pas parce qu'ils avaient envie de devenir musulmans. C'est parce qu'ils étaient persécutés par des musulmans et qu'il fallait gagner une stature et gagner leur respect et aussi leur faire comprendre qu'eux-mêmes étaient musulmans comme eux. Ouais, c'est un moyen d'exister finalement. Ben oui, c'est un moyen d'exister et d'arriver à l'égalité. C'est sûrement pas... le moyen qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont on utilise aujourd'hui la religion pour asservir les gens, abêtir les gens, les enfermer, c'est très très grave. La religion, ça n'a jamais été ça. La religion, c'est quelque chose qui libère les gens et qui les apaise. Et moi, des fois, quand je vois les faces des intégristes, là, ils me donnent tout sauf envie de me convertir à l'islam, parce que déjà, leur gueule, elle fait peur. Déjà, ils font la tronche, là, avec leur... Ils vont dire des balais brosses, les mecs. Ils disent va te laver, va te raser, sois beau, parfume-toi. Ouais. Après, viens parler de. Exactement. C'est vrai que tu viens me parler de d'épanouissement personnel, tu viens me parler d'être moi serein et de ne pas être dans le péché.
Toi, déjà, ta face, c'est un péché. C'est quoi l'histoire? Mais c'est vrai, tu vois, c'est bon, quoi. Alors, Amazir, on nous demande quels sont les chanteurs berbères qui t'inspirent ou qui t'ont donné envie, qui t'ont fait. Oui, il y en a. Le premier, c'est Eder, dont j'ai appris les chansons par cœur tout gamin quand j'étais petit. J'ai beaucoup chanté Eder, parce que quand il a sorti son album, ça a fait un fureur, gros tabac. Après, j'ai écouté Farhat aussi à une époque, quand il est sorti de prison, tout ça, Barouagia, tout ça, j'ai beaucoup écouté à cette époque-là. Plus maintenant, par contre, j'écoute plus trop. Matoub aussi, j'ai eu une petite période Matoub, parce que moi j'adore le Chabi, et que Matoub, c'est quand même c'est un vrai médiateur, c'est un riche, c'est un vrai Chabiman, quoi. D'ailleurs, même il y a plein de chanteurs de Chabi qui disent ça. Ils disent que si Matoub avait chanté en arabe, il aurait mangé tous les chanteurs de Chabi. Je te jure, c'est vrai, ils le disent. Parce qu'il est, c'est un tueur de l'arrangement, c'est un tueur du médiator, et c'est un vrai instrumentiste, c'est pas juste un chanteur engagé. Et ça aussi, je trouve que c'est dommage de le réduire que à ça. C'est d'abord un artiste, après, c'est quelqu'un qui avait énormément de courage. Mais précisément, ce qui a tué les musiques engagées, par exemple, des années 60-70, c'est qu'on les a réduites, à un moment donné, à n'être que du texte, à n'être que de l'engagement, et en fait, on a perdu le festif. Mais quand tu entends « Slavit Sayyabhari », c'est ultra festif. Tu vois ce que je veux dire? C'est que « Matoub », dans son travail, il y a le festif. Il y a la tristesse, il y a le festif, il y a le profond, il y a le politique, il y a le guerrier, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas enlever le festif. Pourquoi on lui enlève ce truc-là? C'est quelqu'un qui faisait danser les gens aussi, et tant mieux. C'est, heureusement, moi j'ai vu un zénith entier danser sur Matoub. Oui. Je suis allé, moi, quand il était vivant. Les mêmes du projet portent Alger et La Havane, parce que c'est vraiment un lien direct entre les deux capitales. Donc c'est Argel de La Havane. En tout cas, c'est ce projet que tu mènes. Voilà, c'est ce projet en ce moment qui est vraiment chaud, parce que c'est là-dessus qu'on répète depuis quelques mois. Depuis le mois de février, on a commencé à bosser là-dessus. Et ça commence à bien prendre forme. Ça commence à être même bien dansant, parce qu'on a joué une fois à Ivry. Et le public a bien réceptionné ça, bien reçu ça. Ouais. Et voilà, j'espère que les Algérois vont aimer ce qu'on va faire, parce que c'est complètement des ingrédients qui sont liés justement à Alger et à La Havane particulièrement. Par exemple, l'aspect latin qu'on retrouve dans la musique cubaine, eh ben on le retrouve dans la musique chabi. C'est ce qui fait la richesse. Voilà, et on ne le retrouve pas forcément dans d'autres musiques maghrébines. Alors ça, c'est nouveau, ce mélange, cette fusion, c'est nouveau? C'est tout nouveau? C'est une fusion qui n'en est pas réellement une. Parce que en fait, les musiques d'esclaves se rejoignent d'une certaine manière, et que en fait, quand tu écoutes la musique qu'on est en train de malaxer actuellement, qui s'appelle le Congo ou le Palo aussi, c'est des rythmes très speed qui se jouent par les communautés noires à Cuba depuis les temps de l'esclavage. Ces chants-là, c'est comme des chants gnawa en fait, c'est exactement les mêmes gammes, et les rythmes se ressemblent beaucoup. Il y a pratiquement 80% de 6-8, les musiciens comprendront ce que je veux dire. Le 6-8, c'est le tempo. C'est ce qui fait bouger les reins de tout le Maghreb, et là-bas, c'est la même chose, exactement. Alors, c'est vrai qu'on a une vision de Cuba qui est un peu gringo, en fait. En Occident, en France, on a l'impression que Cuba, c'est la salsa et la rumba. Mais en fait, Cuba, c'est pas que la salsa et la rumba. La salsa, déjà, c'est quelque chose qui est né à New York, au contact des musiciens cubains qui avaient besoin aussi de bouffer. Donc, ils ont fait plutôt du jazz cubain que vraiment de la musique cubaine, même s'ils ont apporté beaucoup et que ça a coloré le jazz. Mais en fait, la vraie musique cubaine qui fait partie des répertoires qu'on aborde là, et qui sont vraiment des répertoires de la survivance des esclaves. C'est vraiment des trucs qui ont survécu à 4 siècles de à la fois d'esclavage, de révolution, de dictature, de révolution après castriste, etc. Je veux dire, c'est des phénomènes qui ont traversé le temps et qui sont encore là, intacts. Tu sais que les chants sont encore en Yoruba et en Bantou, ils chantent encore dans les langues africaines, ils jouent encore les instruments, les bata, qui sont des instruments que tu retrouves au Nigeria avec exactement les mêmes noms. Alors ça, c'est magnifique, effectivement. C'est ce que tu vas nous apporter, c'est ton projet. On le retrouve à Alger le 9 juin. Le 9 juin. Mais pas seulement à Alger, parce que tu l'as fait à Évry. Mais là, alors, c'est nouveau. Je crois qu'on va balancer. C'est une totale exclusivité. Ouais. Tu vas nous faire un beau show au Festival International de Musique Berbère, le FIMBA. Ah oui, tu m'en as parlé tout à l'heure. Alors, je vous le dis, ce n'est pas encore signé. Presque. Oui, on va faire ça. Il essaie de me faire signer de force, mais on va signer. Non, parce que c'est vrai que non seulement tu as une musique effectivement qui est magique et qui est magnifique, et c'est vrai que le FIMBA, ce parc floral de Vincennes, c'est magnifique. Et là, effectivement, c'est jouer finalement en plein air et faire découvrir cette culture aux autres, c'est aussi l'objectif. Bah, en tout cas, je pense que c'est salvateur pour notre époque de se retourner un petit peu en arrière et de se retourner vers les gens qui ont résisté pendant toutes ces années. Parce qu'en fait, on a quand même, derrière nous, par exemple, nous les Algériens, on a derrière nous 60 ans d'indépendance,
mais qui sont 60 ans de dépendance totale, en fait. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a zéro production, que tout pratiquement est subventionné par l'État, et que donc forcément, il ne peut pas y avoir de révolution dans ces conditions-là, parce qu'on est presque pieds et poings liés, on est subventionné, le lait est subventionné par l'État, l'essence est subventionnée par l'État, donc c'est une situation un peu comme ça. Alors que Cuba, c'est un pays qui, malgré qu'il n'ait pas de gaz, malgré qu'il n'ait pas de pétrole, malgré que c'est un tout petit pays et que c'est un tout petit peuple, ben c'est des gens qui ont résisté quand même 60 ans au plus grand empire. 60 ans, ils ont résisté. Il y a des ressemblances. Ouais. Ben, il y a une ressemblance dans ce qu'était l'Algérie et ce qu'était Cuba dans les années 60, puisqu'on se rappelle que Che Guevara est venu faire un discours à Alger, il est venu parler aux Algériens, il est venu aider les Algériens, les Cubains sont venus aider les Algériens pendant la guerre. Ça, on a tendance à l'oublier. En tout cas, je ne crois pas qu'on étudie ça dans les livres scolaires en Algérie. Et encore une fois, l'ouverture occidentale à Cuba, ce n'est pas du tout ça qui fait que ce projet voit le jour. C'est même plutôt en réaction à ce type d'ouverture artificielle que ce genre de projet naissent et vont naître. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est justement tous les ponts que les pouvoirs sont incapables de dresser. C'est des ponts qui sont... des ponts culturels, des ponts musicaux, il n'y a que les artistes et les êtres humains qui font ces rencontres. Alors c'est vrai, Amazir, ce soir on est en live en fin de compte sur Berber TV et sur le Facebook. Donc là il y a plein de messages hein, qui sont là, ils t'attendent. Voilà donc Azul. Alors là on a les États-Unis qui sont là. Ah, on a Seattle qui est là, Washington qui est là. Ouais. Voilà, tu as des amis là-bas? Bah on a joué l'année dernière avec Gnawa et puis j'ai joué aussi en solo il y a 2 ans. Je suis allé comme un vagabond, j'ai joué un peu à New York. Comme un troubadour. Voilà, donc en tout cas, ils sont là. Donc n'hésitez pas à venir. Hein. N'hésitez pas. Alors là, on nous parle aussi de cinéma. Donc c'est vrai que Amazir Kateb, il y a la musique, il y a le cinéma. Tu as fait aussi, tu as joué avec Rachida Brakni. Il y a pas. Un film qui s'appelle Let Them Come, qui est malheureusement pas sorti encore en salle, qui est sorti seulement dans des festivals de cinéma. Bah, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais qu'il y a une galère de distribution sur le film. Donc je sais qu'il est sorti au Festival de Montpellier, de Toronto. Il est sorti, il a été projeté à Alger aussi, parce que c'est une coproduction avec l'ARC. J'attends de voir s'il sort au moins dans un réseau alternatif de salles. Je pense qu'il va ressortir, il faut simplement peut-être relancer la machine. Ouais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la production, mais c'est vrai qu'il n'est pas sorti, il n'est pas sorti comme les films de Spielberg, quoi. Ça va le faire. Il y a moins de promos. Quoi. On sent tout de suite que. Amazir Kateb, on peut pas parler d'Amazir Kateb sans parler de Kateb Yassine, papa. Ben, écoute, ça dépend de quoi tu parles après. Par exemple, si on parle foot, il y a moyen qu'on parle. Il fait de l'humour. Bientôt peut-être un one man show là. Non, jamais de la France. Mais quoi que, quand tu es sur scène, tu fais beaucoup d'humour en fin de compte. Bah ça dépend. Si le public il est marrant. Après, des fois il y a des publics qui sont tristes et tout. Mais c'est à toi justement de l'amener à toi et de leur rendre un petit peu. Nous on leur balance du gaz hilarant des fois. Ouais. Comme ça ils rigolent un peu. Alors Amazir, tu débarques en France. T'as 15-16 ans. Ouais. Dans les années 88. Papa était déjà là. 88. Ouais. Ouais. Alors papa était arrivé avant, hein, donc on rappelle. Une année avant. Ouais. Comment ça se passait pour toi les relations avec papa qui était déjà écrivain, qui était déjà dramaturge, qui était déjà dans la littérature, toi qui arrivais avec 15-16 ans, comment ça se passait? Ben écoute, ça se passait plutôt bien en fait. Quand j'étais à Alger et que lui avait passé une première année en France, tout allait bien puisque il m'a laissé en confiance. C'est plutôt moi qui ai déconné en fait, parce que bon, j'étais ado, j'avais 15 ans, donc quand il est parti, je me suis senti un peu super libre quoi. Donc j'ai commencé à faire tout ce qu'un gamin a envie de faire et qu'il ne faut pas faire. Bon, donc je sortais la nuit, je sortais quand il ne fallait pas, je n'allais pas à l'école, etc. Donc quand il est rentré au bout de je ne sais pas combien de mois, 2-3 mois en France, il a trouvé, trouvé un truc. Donc il m'a dit, tu as une semaine pour dire au revoir à tout le monde là et tu te casses et je vais t'avoir sous les yeux, comme ça tu vas étudier. Et en fait, quand je suis arrivé ici, donc j'étais un peu sous pression, mais moi, mon père, c'était mon ami, tu vois, même s'il me mettait la pression sur les études, par ailleurs, c'est quelqu'un qui quand même m'a laissé une grande liberté, il ne m'a jamais bridé en tout cas. Il m'a, à chaque fois qu'il m'a secoué, c'est pour me remettre sur les rails, pas pour me castrer, je ne sais pas quoi. Donc, ça a été un peu tendu, on va dire, le premier mois avant que je fasse mon examen d'entrée, parce que j'étais arabisant, moi, quand j'étais à Alger, j'ai tout étudié en arabe, moi, la chimie, les maths, la géo, l'histoire. Il a fallu que tu actualises, que tu adaptes. Voilà, il fallait que je me mette à Charlemagne et tout ça. Et donc, j'ai eu à peu près un mois ou deux pour faire ma prépa, j'étais en seconde, donc j'ai dû refaire une seconde en français. Et après, comme,
quand il a vu que j'avais eu des résultats qui étaient positifs, que j'étais reçu, après il m'a lâché un peu du blesse. Ouais, mais il y avait une belle pression quand même parce que. Ah ouais, ouais. C'était pas. Kata Biassine. Voilà. Voilà. Ça rigolait pas, c'est un papa. Ouais. C'est un papa au sens chiaoui du terme. Ouais, mais au-delà du papa, c'est vrai qu'il avait une histoire, il avait un vécu, il avait un historique. Ton père, donc à un moment donné, c'est difficile de. Il était vraiment cash. En fait, tu sais, mon père, il a fait de la prison à 15 ans. Il en est ressorti transformé parce qu'il a rencontré l'Algérie réelle en fait, de l'époque. Parce qu'à l'époque, tu sais, il était fils d'avocat, donc il a eu la chance d'aller à l'école française, il a eu la chance de manger à sa faim, il n'a pas vécu la misère qu'ont vécu d'autres Algériens à la même époque. Donc quand il est allé en prison, il y a eu une espèce d'immersion dans une Algérie qui l'a complètement choqué, chamboulé, retourné. De là est né Nejma et toute l'histoire poétique et dramaturgique. Donc c'est quelqu'un qui avait dans toutes ses douleurs, dans tous ses marasmes et dans toutes ses aventures de vie, besoin d'avoir une grande rigueur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur, même si c'est un écrivain autodidacte quelque part, parce que il faut avoir de la rigueur à un moment donné. Oui, sinon on se perd. Et je pense que c'est ça qu'il essayait de m'inculquer avant tout. C'est d'abord la rigueur, pas forcément d'être toujours sérieux, d'être crispé, ou c'était pas du tout son cas. C'était pas quelqu'un de crispé. Une question qui me vient justement, le fait d'avoir un papa qui s'appelle Kata Biassine, est-ce que ça pèse sur toi? Est-ce que ça a pesé? Est-ce que ça pèse aujourd'hui? Non, ça peut fausser les rapports parfois. Par exemple, quand j'étais petit, je sais très bien qu'il y avait des gens qui me faisaient des sourires parce que j'étais le fils de mon père et que si j'avais été n'importe qui d'autre, le même mais un autre, ça n'aurait pas été le cas. Je sais très bien que ça peut provoquer des espèces de relations un peu faussées ou pas, en tout cas pas réelles, etc. J'ai eu le temps de l'intégrer depuis que je suis petit. Si tu veux, le phénomène public, en fait, c'est ça qui est le plus gênant. Oui. Mais après, au-delà de ça, il y a le contenu de l'œuvre, il y a ce à quoi elle renvoie, et puis il y a surtout les gens qui sont réellement les enfants de cette œuvre, c'est-à-dire les gens qui en font quelque chose aujourd'hui, les théâtres qui la jouent, les gens qui la lisent, la font lire, la récitent, c'est la déclament. Ouais. Ah, bien sûr que c'est une fierté, c'est les une gens. Fierté. Par exemple, Mehdi, il joue dans un groupe qui s'appelle Zik Zitoun. Ils ont repris un texte de mon père qui s'appelle « Dans la gueule du loup », qui parle du 17 octobre 61, donc du jour où on a jeté les Algériens dans la Seine à Paris. Ça, c'est, tu vois, c'est, ça fait vraiment un grand plaisir. Je pense que s'il était là, ça lui ferait encore plus un énorme plaisir. Alors justement, peut-être qu'on y croit, on n'y croit pas, hein, peut-être que son âme plane justement. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ce soir à papa si t'écoutais? Parce que je pense que de là où il a vu ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire de nous envoyer un peu de poudre d'intelligence et de poudre de résistance. Parce qu'on manque, manque de courage et de résistance en ce moment. Ouais. Je crois qu'on se trompe d'amis. Et d'ailleurs, tu sais, Argel de la Havana, c'est un peu un retour à des sources paternelles aussi, parce que mon père était un communiste trempé qui n'a jamais eu sa carte d'aucun parti. C'est quelqu'un qui a toujours boycotté les appareils, les partis, les pouvoirs en général, mais qui était profondément rouge. Et je pense que c'est ça notre vraie famille, tous, le Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient. Au lieu de croire que ce sont les Séoudiens et les Qataris qui sont vos frères, eh ben, vos vrais frères, ils sont en Amérique latine. Vos vrais frères, les seuls qui se sont levés pour la Palestine au moment où ils se faisaient bombarder par les Israéliens, au moment où les Israéliens ont bombardé le Liban. Les seuls qui ont ouvert leur gueule, c'est les Vénézuéliens, les Brésiliens, c'est les Latinos. Donc moi, si j'ai un truc à dire aux Algériens, aux Maghrébins en général, c'est tournez-vous vers l'Amérique latine. C'est cela, vos frères. Arrêtez de croire que vos seuls frères sont ceux qui parlent la même langue que vous. Ça, c'est une grande erreur. Amazir Kateb, bien sûr, en tout cas avec nous ce soir. Alors, je te propose d'aller faire un tour sur Facebook. Hein. Voilà. Alors, on nous dit merci. Voilà, donc là, merci. Donc, on te remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on parle français dans une chaîne berbère. Eh bien, oui, effectivement, hein, on parle français parce que voilà, y a de tout hein, sur Berbère Télévision. Azoul Ayamazir, ne change rien, t'es au top. C'est gentil, voilà, merci. Hein. Voilà, en tout cas, ils sont tous là. Voilà, merci. Voilà. Tu mérites le prénom Amazir. Ça, c'est je suis Mossiba. Ah, yes, Mossiba. Et ben voilà, en tout cas, ils sont tous là. Ils ont fort apprécié tout à l'heure la chanson que tu nous as chantée. Ah, ouais, c'est une chanson d'ailleurs qui est un extrait d'un film du film de Laurent. Voilà, exactement. Ça, on nous l'a rappelé. Qui était écrite pour l'occasion. Exactement. On nous l'a également rappelé. D'ailleurs, les gens me l'ont souvent demandé parce qu'elle n'est pas encore sortie, ni sur un album, ni rien. Il y a juste un petit extrait dans le film. Et donc, il y a plein de gens qui me demandent soit de la chanter en live quand je joue en concert. Ils m'envoient des petits messages comme là, tu vois. Et ben, tu la fais en live. Voilà. Ben oui, parce que moi, je lis mes messages. Ouais. Allah, ouais. Alors, c'est vrai que bientôt en concert, bientôt Alger. Alors,
Tu étais il n'y a pas si longtemps que ça en répète. Hein, donc là, tu viens directement des répétitions. Donc déjà, c'est très gentil avec ton équipe de musiciens. Alors, à quelle occasion tu vas, c'est pour le début des festivités que tu vas chanter ce neuf. Bah, écoute, nous, dans l'absolu, là, on a monté ce projet pour jouer. Donc, ouais. Que ce soit le début ou la tu fin de la festivité. Tu vois, nous, ouais, on joue. Ouais. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, peut-être si vous avez une salle, vous voulez qu'on joue, on peut venir. Quoi. On peut venir jouer. Ouais, important. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, je parlais de toi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Alger avec le directeur du théâtre, Kateb Yassine. Ah, de Tizi. Ouais, de Tizi, Farid Amiaou. Justement, on parlait de toi. Et voilà, on parlait de toi. Il était content, fier, effectivement, de pouvoir être le directeur de ce théâtre. Ouais. Et il développe, effectivement, beaucoup de projets. Il y avait des enfants, justement, qui étaient là, qui venaient de Sétif par rapport à l'hommage rendu à Brahim Isri. Oui, j'ai vu ça parce que, tu sais, j'ai une alerte Google sur le nom de mon père. Ouais. Donc, fatalement, tout ce qui se passe au théâtre Tizi de Tizi, tout ce qui s'appelle Kateb Yassine, je reçois toutes les alertes Google du théâtre. Donc, je sais tout ce qui se passe à la minute près. Ouais. Et ben voilà, enfin, dès que Google est au courant, je suis au courant en général. Alors, ils t'attendent, puisqu'il m'a dit que tu avais joué il n'y a pas si longtemps que ça à la Maison de la Culture Wood Mamry. Oui, on a joué près de la Maison de la Culture et on a joué à Oukel Ramdan, en fait, au stade. On a joué pendant le Panafricain, au Festival Panafricain. On a fait le stade Oukel Ramdan à Tizi, le stade de la JSK. Ouais, d'ailleurs, il y avait plein de supporters de la JSK. Et ben, en tout cas, ils t'attendent hein, au théâtre Kateb Yassine. Et ben, alors, je vous propose de repartir en musique. D'accord. Alors, quelle chanson allez-vous nous interpréter? Je ne sais pas du tout. On va voir. Voilà, on va demander au Gembré, il va nous dire c'est ça. C'est du live. Ouais. Ah, peut-être, hein, vous qui nous regardez ce soir, hein, peut-être si vous avez l'idée d'une chanson, allez-y, peut-être qu'ils la feront comme ça en live. Allez, c'est calé, c'est pour vous, Amazir Kateb. On fait un petit morceau cubain, tiens. Aïe, j'ai mon téléphone. Voilà, c'est ça le live. Désolé la jeunesse, hein, oui, on est en live. Hein. Alors, en fait, c'est un internaute qui t'appelle, hein, qui te dit. Non, c'est un musicien. Et ben voilà, c'est ça, c'est le live. Attends, j'ai peut-être le... C'est calé, bien sûr, c'est pour vous. On vous rappelle, hein, Amazir Kateb, il sera en concert à Alger le 9, allez le voir. Et puis, bien sûr, au FIMBA, ce festival international de musique berbère, au Parc Floral de Vincennes. Ça va être chaud, chaud, chaud. Chaud bouillant. Exactement. Eh bien, on vous attend bien sûr à Berber TV Connect. Hein. Venez nous retrouver, Berber Musique et le Facebook de Berber Télévision. Amazir Kateb. Congo, Managua.
c'est magnifique. Hein. Finalement, c'est un espèce de concert privé pour les internautes qui sont là avec nous ce soir. Bah ouais, pour toi aussi. Ah, merci, en tout cas, c'est magnifique. On plonge. Hein. T'es le seul qui n'est pas internaute, en fait, c'est ça. c'est un privilège pour moi. Ah ben. C'est un privilège. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être là ce soir. À ma place. Ah ben, je pense que s'ils étaient là, il y aurait de l'ambiance. Ouais, il y a de l'ambiance déjà. Hein. Ouais. Il y a de l'ambiance, hein. C'est chaud. Là. Je crois, c'est vrai. Moi, j'ai chaud, je commence à avoir chaud. Mets-toi à l'aise, hein. C'est vrai qu'à ce temps-là, il n'y a plus personne dans les locaux. Il y a quelques personnes, en tout cas, on est là. C'est vrai qu'il y a une très, très belle ambiance. Donc là, on nous dit justement, à quand le prochain album ? À bientôt, là. Normalement, avec ce projet, on est censé enregistrer en live. Alors, c'est possible qu'avant d'enregistrer l'album dans sa totalité, on fasse peut-être un ou deux ou trois singles en attendant. Mais j'espère que ça va être dans l'année qui court, là. Enfin, dans l'année qui court, dans l'année qui va courir. Alors, on y retrouvera en tout cas ce projet. Hein, oui, c'est, ouais, c'est voilà. Al-Khalil Havana. Voilà, donc hein, l'album pour bientôt. Là, on nous dit sur la route de ton papa. Yes, voilà. Cool. Là, tu vois, ils sont là, en tout cas. Voilà. Dans le domaine musical, Amazir Kateb a toujours été un grand. Tu vois. Hein, voilà, les gens le disent, on en parlait tout à l'heure. Eh bien voilà, en tout cas, ils sont là avec nous ce soir. Ton père sera fier de toi. Hein, voilà. Si tu sortais une chanson en kabyle. Ah, alors, ça va venir, ouais, ça va venir. Voilà. C'est en route. Voilà. Dans le prochain album. J'espère dans le prochain album. Ça demande en fait un certain boulot parce qu'il y a une différence entre reprendre une chanson qui existe déjà et travailler sur un texte original et le faire traduire en kabyle et travailler sur la musicalité du truc. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que reprendre, j'ai aussi envie de reprendre des textes, mais à mon avis, ça aura plus de sens si c'est un texte, par exemple, de Yacine ou même un texte de quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'aime bien aussi des choses qui tirent vers... par exemple, tu vois, j'ai repris un texte de Derwish, qui va être aussi sur le prochain album, un texte de Mahmoud Derwish, mais je ne l'ai pas repris en arabe, je ne l'ai pas repris en français, je l'ai repris en anglais. Pourtant, il est écrit en arabe à la base. Tu l'as repris à ta sauce. Voilà, je l'ai repris en anglais parce que je trouvais que ça sonnait plus blues. Plus joli. C'est la sauce à Mazir. Et après, voilà, après c'est des choix, on verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est une envie qui est là. Et, voilà. Et pas qu'en Kabyle, d'ailleurs, j'aimerais bien toucher aussi au Chaoui. Enfin, voilà, en fait, j'aimerais bien toucher quelque chose. Qu'on retrouve toutes les langues sur un album. Qu'on retrouve un parler berbère qui soit compris par tous les berbères. Ça, j'aimerais bien que tous les Imazirines puissent se retrouver et pas seulement les Kabyles ou les Chaouis. Je sais que c'est un vrai problème, même intra-berbère. C'est-à-dire, je sais très bien que par exemple, entre la musique Chaoui et la musique Kabyle, il n'y a pas tant de mix que ça. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y en a quelques qui l'ont fait, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mixé ces deux musiques. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mixé du Chaoui avec du Tergui ou du, je sais pas moi, du Rif